On va les attendre, pas faire couler le sang. Attendez, faire doucement. Mais il s'agirait de parler, mon pote. J'attends que ça lance, frère. C'est lancé. Je vois ta tête dedans, moi. Wesh, la famille, ça dit quoi, les frères? Ça dit quoi? Eh, c'est bon? Mais oui. Hein? Oui. C'est lancé, wesh. Ah, ouais, des fois, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, les frères. Aujourd'hui, les mecs, est un grand jour dans l'histoire du monde de la cuisine, les frères. J'ai pas besoin de vous expliquer, les mecs. J'ai enfilé le tablier, les frères. J'ai enfilé le chapeau, les mecs. Ça s'appelle un quoi? Un couvre-chef? Un couvre-chef? C'est ça? Oui. Ok. Hey, j'ai une invitée spéciale, les mecs. Excusez-moi, je sais pas si c'est la caméra. J'ai une invitée spéciale avec moi, les frères. Vous la voyez tout le temps. Je vais pas tarder à arrêter de l'inviter parce qu'elle me casse un peu les couilles, même hors live. Et elle est là, les frères. Qui dit cuisine dit femme. Et non, elle non, est non, là. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. T'évites de dire des phrases comme ça parce que okay. Je vais défoncer. Désolé, je me suis dit. Qui dit cuisine pour que ça se passe bien dit Camélia, sinon Camille va tout défoncer. Donc voilà. Elle pue pas aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, frère. Oh, les mecs, on va cuisiner, les frères. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire des... aujourd'hui... Oh, aujourd'hui, les mecs, on va faire des... Mon plat préféré. Mais son plat préféré, c'est tout ce qu'elle bouffe, frère. Donc, non. Mon plat préféré. On va faire des sushis. Et qui dit sushis, dit... Camélia.
T'as pas entendu? Non, vas-y. Mais non, mais c'est... Non, mais il y a le micro, mais c'est pas grave. Mais maman... S'il te plaît, vas-y, il est comme ça. Aïe, arrête. Ok, ok. Ah, oh, les frères, c'est du sushi, dit kit de sushi, la famille. Regardez. Ah oh, ouais, regardez les mecs. Regardez. Attends. Ah, oh, j'ai mal mis le chapeau, wesh. Vas-y, haché, mon frère. Attends. Attends, regardez les frères. C'est pas beau, les mecs. C'est pas beau, les frères. La régie est pas belle. Regarde, Camé. On est en mode... Je suis pas trop belle avec ça, les lunettes. Regardez comment ça me va bien. On dirait que je suis belle. On dirait. Non, voilà, ça me va trop bien. Je suis trop contente. Eh, les frères, bref, aujourd'hui, les mecs, je suis Philippe Ramsès, les frères. Je vais tellement vous choquer. Vous allez péter un câble, les frères. Ramsès, c'est qui Ramsès? Le mec qui fait la zincu là. T'es sûr? Eh les frères, je vais vous choquer les mecs, je vais vous montrer. On va faire le plat préféré de Cam les mecs. On parle, je pense qu'on parle un peu trop à mon goût. Non, moi je vais parler. Moi je suis trop pressée, je suis trop contente de savoir faire, enfin de faire des sushis parce que j'ai toujours mangé des sushis et commandé. Donc si je réussis à faire des sushis aujourd'hui, j'aurai plus besoin de user mon argent. Il a coûté combien le kit? 8,90€. Ah bah voilà. Tu dois me les donner. Ok, on est bénef. Si je réussis à faire des sushis avec 8€, j'aurais plus besoin de commander à chaque fois 40€ de sushis. Hey. Donc du coup, avec Kémis, on fera toujours des sushis. Hey. Même hors live, on fera ça à la maison. Il y a un dicton qui dit, sachez-le, il y a un dicton qui dit, et regarde-moi dans les yeux, écoute-moi. Il y a un dicton qui dit dans la vie, quand on veut, on peut. Quand on aime, on ne compte pas. Donc quand... je m'achète tous les sushis que je veux. Écoute-moi, il y a un dicton qui dit sur les sushis, fais-moi des sushis. Et je t'emmènerai à Tahiti. Oh c'était super nul par contre. Oh non, les frères, vas-y, oh, vas-y, oh, oh, rire, vas-y, prends le kit. Moi je commence à couper les avocats, les frères. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, déjà on va expliquer comment on va faire. On a deux kits là, on a un kit chacun. Un kit chacun, Kémis va arrêter de toucher à deux parce que je sens qu'il va tout défoncer. On a deux kits, donc là avant deux. Je barre, non, ça c'est pour le riz, c'est pour le riz. Non mais c'est pas possible. Ok, bois pas tout parce que c'est pour le riz. J'ai soif. Ok, je m'en fous que t'as soif. On en reprendra s'il faut reprendre de l'eau. Ok. Bismillah. J'ai dit bismillah, j'ai déjà pris 4 gorgées sans dire bismillah. Ah bah, c'est enfin là. Ah, t'as bien bu ça, le bâtard. Hein. Le chétan. Non. Bon. Il est derrière toi quand tu vois. Ok, c'est pour. Mais c'est pour le riz, arrête mais de garder. Mais c'est quand t'es debout, c'est quand t'es debout. Je m'en fous. Putain. C'est pour le riz. Bref, donc du coup, on a des kits. Bon, on leur dit la vérité. En fait, on ne peut pas cuire le riz, du coup, on a du riz. Mais tu peux pas, on va cuire le riz, t'as pété des plombs, quoi. Kémis, il veut cuire le riz n'importe comment, donc il va cuire le riz n'importe comment. Mais on a opté pour une autre alternative au cas où Kémis fait n'importe quoi. C'est ça le kit, la famille. Ok, donc le kit, c'est ça. C'est ça le kit. Voilà. On a des kits, la famille. Hein. C'est ça le kit. Ça, c'est le kit, ça. C'est le kit. Et toi, t'es. Je te quitte. Non, là, je peux pas, les frères. On arrête tout, couper. C'est vraiment pas une blague en plus, bref. Alors du coup, on va commencer à couper les avocats avec Kémis. Non mais attends, on doit faire les sushis avant. Oui mais c'est comme ça, regarde. Mais non mais viens, on envoie le riz. Je vais t'expliquer ce qu'on va... Vas-y, on envoie le riz. Attends. Non Kémis, le grand, ça va sauter partout, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Ok, ça marche pas. Moumoun. Oh putain. On remercie Moumoun, voilà. Ouais, merci Moumoun pour ta casserole. Merci Moumoun. Moumoun, mais... elle va venir cagouler après. Quand elle va faire du playback sur Kershak normalement, cite... ça va être bien et tout. La casserole est trop bas de gamme pour la plaque qui est trop haut de gamme. Tu parles de la casserole à ma mère là? Non, mais c'est, je cite. Je parle de la régie. Wesh, oh, on est exigeant, on parlait pas de la. La régie a dit ça à Moumoun, mais c'est pas moi Moumoun. Donc voilà. Oh. Donc du coup, ce qu'on va faire. On a une tailloire, les frères. Et avec cette tailloire, on va faire quoi? Une bouilloire. Hein? Une bouilloire. Une bouillotte. Ok. Une bouilloire? C'est quoi une bouillotte? C'est tout pour les. Mais pas du tout. Bref, on a une bouilloire. On a une bouilloire, la famille. On a une très grosse bouilloire, les mecs. Et c'est pour faire cuire du riz. C'est pas pour faire cuire du riz. C'est très adonin, là. C'est très adonin, mais on va réussir à le faire, les frères. Anodin. On va réussir à attends, le faire. Attends. Putain. Non, mais wow. Hey, mais bon, là, c'est pas possible. Je peux plus avec elle. Avant de faire cuire du riz. Mais je peux plus, je vous avais prévenu avant le live. Mais je t'aide, en fait. Aïe, arrête de me penser. Avant de faire cuire du riz, il faut. Tu m'as pensé là, tu m'as fait mal, là. Là. Non, mais là. Là. Oh, mais je suis choquée. J'ai connu plus musclé, hein. Genre sur à la télé. Lâche-moi. Ça veut jouer. Wallah, on va jouer, mon frère. C'est faire des blagues. Wallah, qu'on va faire des blagues. Non, à la télé. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok, Kémis, pour mettre le riz. On va apprendre à Kémis doucement. Pour mettre le riz dans la bouilloire, faut que ça cuit. Pour que ça cuit, faut que l'eau, elle soit comment? «
Pour que ça cuit, il faut que l'eau, elle soit comment? Froide ou chaude? Mais là, faut... Faut que l'eau, elle soit froide ou chaude? Pour que ça cuit? Oui. Il faut qu'elle soit chaude. Ok, donc mets ta main dedans. Chaude comme moi. Ouais, mets ta main dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mets ta main dedans. Je suis chaud. Mets ta main dedans. Non, mais attends, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est gelé. Donc, il faut chauffer. Et tu me dé... Non, par contre, voilà, non. Non, les gars. Oh, on est mecs, on a du gel hydraulique, là, les frères. On va tout se mettre. Arrête. Non, Kémy, son bras, je vais défoncer. Avant tout, on va mettre du gel. Ah, du gel. Oh on en met un petit peu. Hein. Ah, mais après, faut sauver le dessus. Arrête. Mais viens faire ça, viens faire ça. Je suis allergique à ça, voilà. J'ai des plaques sur les mains. Oh là, putain. Arrête, Kémy. Mais je voulais juste qu'on en mette ensemble, en mode romantique. Oh, regarde, là, regarde cette partie-là. On n'est pas obligé ici. Bon, les gars, c'est parti. Là, on a la boue. Toi, t'es bougeoire. Christina. Ouais, on fait un truc. Toi, t'es... Moi, je suis. Non, moi, je suis Philippe Ramsès. Toi, t'es Christina Cordula. C'est bon. Rien à voir avec la cuisine, en fait. Mais bref, toi, t'es Cristiano Ronaldo. Et moi, je suis. Comment ça s'appelle? Georgina. Oh, mon rêve. Vas-y. Alors, là, on a la bouilloire. On va la mettre à chauffer. Et on va laisser Kémis pour le faire. Donc, vas-y, Kémis. Ouais. Tu vas mettre ça à chauffer. On met la bouilloire à chauffer, la famille. Allez. Et ce qui est bien, c'est que la bouilloire, nouvelle technologique, on a besoin que d'un clic, les frères. Là, ça chauffe. La bouilloire n'est pas branchée. Ah. On met la bouilloire à chauffer par terre. Oui, on la met. Ah, on a la prise. On a la prise amobile. On la met à chauffer. Va, arrête de... Kémis, arrête. Arrête. Tu peux laisser ici, mon frère. Tu peux laisser ici le sang. Tu peux laisser ici. Tu peux la reprendre ici, la bouilloire. Tu vas le faire. Vas-y, fait. Bah... Ah. Tac. C'est bon? La bouillère, elle chauffe. Ok, la bouillère chauffe. On met le riz instant. Non. Pourquoi? Faut attendre que ça boue. Ok. En attendant que ça boue. Ouais. Qu'est-ce on a pris du piment. Regarde. Non, attends, vas-y, attends. On va faire un jeu. Attends. On fait un jeu, vas-y, on fait un jeu. Vas-y. Le temps que ça boue, on fait un petit jeu. Si vous mis celui qui perd, il me fait un piment. Vas-y. Non, si vous mis celui qui perd, il prend un croc. Elle va me casser les couilles. Non. Shifumi, c'est lui qui répond mal. T'entends pas le bruit? C'est pas grave. Shifumi, c'est lui qui répond mal à la question. Ouais. Il prend un croc. Ok, vas-y. Quelle est ma date de naissance? Mais voilà, là par contre, je vais vraiment m'énerver. Kémy, c'est un vieux mec, frère. La mienne. Non, voilà, c'est abusé par contre. Voilà, c'est abusé. Je fais exprès. Comment tu veux pas connaître ma date de naissance? Tu sais, mon anniversaire où tu m'as pas calculé de la journée. Tu m'as pas du tout calculé. Le 13. Eh, ça te dérange, j'en change de place, qu'en fait, je déteste mon profil droit. Non, bah les couilles. Je t'en supplie, voilà, je déteste mon profil droit, je peux pas te regarder. Non, s'il te plaît, c'est pour moi. Je te rassure, c'est ma chérie. Je te rassure, ma chérie. Soit le droit ou le gauche, c'est la même non, chose. Non, voilà, je peux pas te regarder comme ça. Il y aura des edits et tout, voilà, je vais après, je vais. Écoute. S'il te plaît, Camille. Écoute-moi. Ta date de naissance, c'est le 13, 14, 12. Kémy, c'est pas, on peut changer. Non. Mais s'il te plaît. Non. Ici, c'est mon terrain, c'est à moi. Ici, moi, je vais cuire les trucs ici, frère. Mais s'il te plaît, regarde, je suis sous ça. Fais obsession. Frère. Non, voilà, je peux pas. S'il te plaît, ma vie, s'il te plaît, fais-le pour moi. Vraiment. Merci. Mais frère, voilà. Voilà, là, je te regarde comme tu veux. Là, j'aime bien mon profil droit. Gauche. Vas-y. Ok, quelle est ma date de naissance? Ça fait du bruit quand même. Quelle est ma date de naissance? On entend la bouillard. Quelle est ma date de naissance? Le 13 mai. Le 12. Le 12 quoi? Mai. Ok, vas-y, bouffe. Bouffe, parce que là, je giflais. Ma date de naissance, c'est le 12 août. Tu retiens même pas ma date de naissance? Je t'en refais là, vas-y. Allez. Non, je te regarde. À la caméra, je mange. Ok, vas-y. Ouais, prends celle-là. Ok, les gars, il va bouffer un piment. Allez. Eh, je te vois! Je te vois, vas-y, bouffe. Kémis, mange là! Manger, non, voilà. tout pour la date de naissance! Tout pour la date de naissance! Non, pas tout, Camille, ok, remange vite! C'est bon, Camille. Fais A? Ok, vas-y, croque! Non! Croque! En plus, il déteste le piquant. Croque! Croc! Ah, j'ai avalé, c'est bon. T'es un vrai tricheur, voilà. Ok, à ton tour. Ok. Combien de ballons d'or a gagné Neymar? Neymar? Ouais. Zéro. Quoi? Zéro. Et tu vas te faire insulter là-bas. Je m'en fous? Je sais qu'il en a gagné zéro. Vrai ou faux?
Neymar, il en a gagné zéro. Il en a gagné un, espèce de début de Attends, quelle année? L'année dernière. Espèce de truc du coup, vas-y, moi, croque. Oh, le mytho. Mais t'es love, toi, vas-y, croque. Hey, tu fais quoi? Arrête de regarder le chat. Non, par contre, non, il en a gagné combien, Neymar? Il en a gagné un. Il en a gagné, et tu sais quoi, je suis sûre de moi. Vérification, j'aimerais avoir un téléphone devant moi. Voilà. Je sais que Messi, il en a gagné 7. Et Cristiano, il en a gagné 13. Wow. Wow, 13 ballons d'or, t'imagines, putain. Ouais, 13. Il y a Cristiano 13 et là, il a gagné 14e. Il a gagné un ballon d'or, Neymar? Ouais. Ok, vas-y. Je suis gênée. Tu dois le finir, par contre. C'est 2 crocs. Moi, j'ai fait 2 crocs. T'as eu ça? T'as pas croqué? Ah, c'est le piment Spalletti là, les mecs. C'est le piment de Spalletti là, les frères. Ah, t'es dégueulasse. Kémy, si tu m'aimes sur le bulet. Mais jamais. Croc, croc, on lance un pic, ouais. Ouais. Oh, les frères, la bouilloire est prête, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est prêt, les frères? Faut que j'aille grager. Je vous ramène un peu le truc ici. Écoutez, les mecs, la bouilloire est prête. Les frères, écoutez-moi. Camille, elle est partie. Et les mecs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais. En fait, je vous ai arrêté les frères, on a pour les sushis, on a pris du saumon. On a pris du saumon. Et le souci, c'est quoi? C'est que, frère, moi, le saumon, wallah, je kiffe de fou malade, frère. Et sushi ou pas, je vais le marbrer sec parce que les mecs, wallah, c'est un truc qui me tient trop à tête. Je suis en train de prendre le saumon pour les sushis. Ah, ok. Ouais. Ouais. Bah, en vrai. Ah, viens, on fait un truc. Ouais. Pour me rassurer la bouche. Ouais, vas-y, moi aussi, ça pique de ouf, là. C'est bon, après, stop. Hein. C'est bon, stop. Non. Arrête. Les gars, vous vous souvenez de la vidéo YouTube cuisine de moi et Kémis? Il avait ramené du saumon fumé, il a tout mangé son saumon fumé. Il a même pas eu de saumon fumé dans ses pattes, donc non. Bref, là, c'est en train de cuire. Attends, regarde comment ça se passe. Ok, là ça boue pas. C'est bon, on peut mettre le riz. Non, ça boue pas, ça boue pas, il faut que ça boue vraiment. T'es con, mais si ça boue, fallait mettre pendant que ça boue. Hein? Ça boue. Non, Nénette, ça boue. Mais pendant que ça boue, fallait mettre pendant que ça boue, frère. Kémy, ça boue. Oui, mais là ça va bouillir, ça va pas bouillir encore. Mais comme. T'es con, ça va pas bouillir, la théoire, elle est éteinte. Hey, tu vas pas m'apprendre la vie. Attends. Mais tu vas pas prendre la vie, c'est la cuisine, ça a rien à voir avec la vie, mon frère. Vas-y, ok. Vas-y, voilà. On l'écoute. Dernière fois qu'on t'écoute. Vas-y, non, première et dernière fois qu'on m'écoute. Wesh, elle connaît pas les mecs. En fait, c'est ça. Oh, je déteste les filles, les frères, en 2023, qui cassent les couilles. Oh mon Dieu. mets dedans. Désolé, c'est pas moi, c'est elle. Merci. C'est parce qu'elle casse la tête. Depuis tout à l'heure, elle me fait chier, qu'elle parle et tout, frère, son, j'aurais jamais regardé ça. Ok, vas-y, attends. Déjà, on va nettoyer ta connerie, déjà. Filme ta connerie. On va montrer ta connerie. Voilà la connerie de Camille. Ça commence très bien. J'ai pas fait exprès, voilà. Nettoie. Hein? Nettoie, tiens, mets dans le verre. Dans le verre? Oh non, tu me dégoûtes. Oh non, je peux pas. Non, mais me remets pas dans le riz! Non, voilà, t'abuses. Première connerie. Tu sais quoi, on va compter tes conneries. Ça fait 1. Net. Et tu sens bon, frère. Non. Il y en avait. Non, Camille, vas-y, mets dedans. Mets bien. Bah fais ce film. Mais bien Kimi, je t'en supplie. Attends, dans le verre. C'est le verre où t'as ramassé les riz? Bah oui, c'est le verre où j'ai ramassé les riz. C'est le verre où t'as ramassé les riz? T'as compris? Les riz. Les riz. Ça t'a vraiment fait rire? Putain, elle filme comme... Comment j'ai pour tourner? Comme Nelson. Je peux pas tourner? Au pire, tu peux... Si, comme ça. Au pire, tu peux toi te tourner. Ah, voilà. Voilà. Alors là, c'est mieux, vas-y. Les mecs, là, on a le riz, les frères. Et du coup, le riz, on va le mettre dans la tailloire. La bouilloire. C'est assez ça ou pas? On fait petit à petit. Non. Verse tout. Je goûte juste, mon frère. T'es trop beau à la caméra. Ça? Ouais. Ça veut dire quoi, ça, dans la vraie vie, mon frère? Non, c'est dégueulasse. Ah! Attends, mets dedans, mon frère. Tu me dégoûtes! Non, voilà, il me dégoûte. Ah non, voilà, t'es pas hygiénique. C'est quoi qui est tombé, mon frère? C'est le gel hydroalcoolique, t'en aurais bien besoin. Ah, toi, tu devrais le foutre sur ta gueule, toi. Bah, toi, sur ton corps. Bah, toi, sur ta mère, alors. Non. Là, voilà, c'est pas drôle, ma mère, elle est dans le live. Arrête de mentir. Je te jure. Hydroalcoolique sur ma mère? Ta mère est dans le live? Ouais, hydroalcoolique sur elle? Regarde. Camé?
Je vais te parler sérieusement, tu vois, par rapport à halal, etc. C'est un truc que je vais vraiment envisager, tu vois. C'est un truc qui me tient de ouf à cœur. Et je voulais savoir si de ton côté, c'était pareil ou pas. Elle a écrit « Respecte ma fille déjà ». Bah ouais, tata, je la respecte, ta fille, t'inquiète pas. Je prendrai soin d'elle. Elle a dit « D'où l'hydroalcoolique sur mon corps, ça veut dire que je suis sale, chemise, tu me manques de respect ?» Non, pas du tout, tata. Peut-être que… Non, pas du tout, tata. Au contraire, tata, t'es pas sale. Je pense que t'es une femme respectable. Comment ça, je pense, comme mon fils fille. Elle écrit vite, frère. T'as vu? Comme t'es une femme respectable comme, comme ta fille et tes enfants, tata. Wallah, masha'Allah. Et le souci, c'est… Oh frère, ça a l'air las d'aig, mon frère. Vas-y, tiens. Tu commences à me saouler, toi. Par contre, je vais casser ta caméra. Oh non, Camille, ce moment-là, tu vas me vénère. J'arrive pas avec ta caméra. Non, voilà, c'est pas marrant. Vas-y, pousse-toi. Déjà, on cuit du riz dans une bouilloire. Voilà, c'est la honte. Arrête! Camille. Arrête! Non, monte juste. Ok, bah fais-moi un câlin alors. On va puer! Tu sais qu'on va puer. Hein. On va puer de la bouche là. Bah, quoi, je vais plus dire. Non, Camille, voilà, tu fais trop de conneries. Wesh, regarde la table, je t'abuse là. Faut qu'on referme là. Non, la vérité, referme même pas. Mais si. Non, je te jure, referme pas parce que c'est une bouilloire, ça. C'est... Le riz se fait chauffer à l'échalote, mon frère. Il faut qu'il y ait un truc au-dessus. Vas-y, ferme alors. Je ferme ça et toi, tu la fermes. Oh. Je suis désolée pour la régie par terre. Hein. Regarde, Mama par terre. Nengai. Après, tu vas prendre l'aspirateur, tu vas laver. Alors, frérot, tu sais, c'est le job de qui, ça? De la personne qui salit. Tu pensais que j'allais dire quoi? D'une femme. D'une femme, et bah non. Toute femme est respectable. Sachez-le. Gros bisous à vos mamans, on a tous des mamans, on a tous des sœurs. Ah ouais, oh, depuis que j'ai dit ma mère, elle est dans live, ça y est, commence à changer. Femmes, dans notre famille, les mecs, la femme est un être respectable, les frères. Et la femme, l'homme n'est rien sans la femme. Et alors toi, t'es. Non, là, par contre, t'es l'exemple parfait. Là, par contre, je suis pas d'accord avec toi, mon frère. Pas du tout. La vie de ma mère. Il y a des hommes qui peuvent se débrouiller. Tu n'es rien sans la femme, tu sais pourquoi, déjà, techniquement parlant? Parce que tu sors de ta mère. C'est vrai, mais donc, à la base, tu as été élevé par ta mère. Ta mère, elle t'a appris à manger. Elle t'a appris à être élevée. Ma mère, sans mon père, et bah, je suis pas là, mon frère. Non, mais ton père, il est pas là sans ta mère aussi, donc voilà. Ok, mais ma mère, bah, la mère de mon père, elle est pas là sans son père alors. Et ton père, ton grand-père, il est pas là sans ta grand-mère. Ah ouais, et bah ma grand-mère, mon frère, sont mon arrière-arrière-grand-père, mon frère, ma maman, elle est pas là, mon arrière-grand-mère, elle est pas là, frère. Tu dégoûtes. Mais je suis malade. Ah ouais? Oui. Ça se voit à ta tête. Tu t'es même pas soigné de moi hier. Pardon. Bon, du coup, là, on doit. Attends, déjà. Donc, couper les avocats. Pardon pour les bruits, les gars. Voilà, je suis malade. Attends, mets la poubelle là-bas. Déjà, après avoir fait toutes ces conneries, on va remettre du gel hydroalcoolique, je te regarde. Vas-y. Arrête. Wesh. Wesh, que tu fais, frérot? Mets du gel. Non, Camille. Mets du gel. Déjà, c'est trop sale. Je me suis mouché devant toi. Et bah. Mets du gel. Mais regarde tes mains là, dégueulasse, c'est quoi ça? T'as mis tes mains dans ta bouche. Mets du gel, parce que là, on va toucher tout là. Dépêche-toi. Mais Camille, si on met du gel. Mets du gel. Bon, vas-y, un tout petit peu. Vas-y, voilà, je te mets. Regarde, je te mets même pas. Je te mets le mien. Vas-y. Arrête. Vas-y, c'est bon. Vas-y, viens, on se lave les mains ensemble alors. Non, Néné. Arrête. T'as besoin d'aide? Ouais. Dans ma vie? Oui. Oui, me laisse pas. Je ne laisserai jamais. Dis wallah. Wallah. Vas-y, mais pourquoi on en embrouille alors? Ben parce que. Vas-y, pose vite fait là, on parle là. Non, voilà, par contre, voilà là, ouais, heureusement, il y a les lives et tout pour qu'on se réconcilie parce que sinon. Wallah, je t'aurais pas dit. T'aurais bien vu. Bah, comment ça, c'est toi qui es en tort en fait? Et alors? Bah, détends. Toi qui es en tort, tu vas voir toi. Dès qu'on finit le live, tu vas voir explication. Bref, maintenant, regarde, ça cuit. Ok, maintenant, ça cuit, on va le mettre. Ça cuit même pas, il a éteint, wesh. Camille, canalise-toi. C'est pas ton enfant, normalement. Bref. Maintenant, les amis, on va prendre les avocats. Par contre, les piments, ils sont mignons, ok, on va les mettre là-bas. Je te montre comment couper les avocats. Vas-y. Je sais pas comment couper un avocat, moi, par contre. Aïe! Oh putain, je l'ai coupé. Oh les mecs, oh filmez, je l'ai coupé. Oh, regarde, j'ai une blague à faire. Mais ça, je sais même pas comment c'est. J'ai une blague à faire. Les frères, lâche. Attends. Camille, il y a que les anciens qui vont comprendre. Je suis dans une sacrée salade. Il me faut deux avocats. Ah. Oh putain, la caméra, le boutique fait 1.2, mon frère. Fait très bien, mon frère. Voilà. Mais oui.
Non, mais elle s'allume plus en fait là. C'est ça que vous avez pas compris. Oh, le riz bientôt prêt. Pas du tout. La bouilloire ne s'allume plus. Le riz est limite prêt là. Non. Montre le riz dans la cam. C'est du plastique. Au pire, si quelqu'un met du fer, c'est KB. Hein. Comme ça, s'il y a une perte, bah, c'est elle, quoi. Ouais. Ah. Ok, là, les gars, on est en train de faire cuire le riz. Ouais, en train de faire cuire le riz. Ah, tu passes un bon moment. Avec toi? Non, mais tout court, moi, j'aime trop ce que je fais, là. Ça oui. Moi, j'aime trop ce que la personne fait. Ok, donc là, on est en train de faire tourner le riz. Mais la bouilloire, elle est pas allumée, en fait. Je comprends pas, là. Parce qu'il y a du riz dedans. Ah, c'est bon, elle a allumé. Montre comment c'est à l'intérieur. Je montre comment c'est. Non, mais ça va défoncer avec le... Avec la chaleur? Oui. Ok, là, je vous montre le riz, là, je vous montre une vache. Salut, je suis la vache. Mais c'est mon papa. Ok. Maintenant, les gars, moi, je vais vous dire comment on fait des sushis. D'abord, on va couper des avocats, parce que qu'est-ce qu'un maquis sans avocat? Non, Kémy, c'est... Oh, j'ai envie de te mettre... Par contre, moi, je ne sais pas couper les avocats. Oh, non, je te montre comment on coupe. Attends, mais tu vas faire quoi? On va faire comme ça, frère. C'est bon, moi j'ai trop bien réussi, voilà. Là, on fait comment? Hein? Oh, ah oui! Attends. Normalement, il m'appelle, hein. Qui t'appelle? Mon cousin. Comment il s'appelle? Sanji? Commande annulée? Mais me dis pas ça! Oh, faudra la tenir, la cam, elle commence à me zaf, mon frère! La vie d'homme, c'est comment d'annuler Xilia. Ouais. Vas-y, on s'en ouf, frère. Wallah, on s'en ouf. On est en train de le faire, le riz, là. On est en train de le faire. Faut juste rajouter de l'eau. Ok, ça va, vas-y. Allez, tu me laisses gérer ou pas? Non, si. Non, au contraire, pas mais du tout. Attends. Il faut attends. Que le riz absorbe l'eau, Kémis. Ok, d'accord. Par contre, faut la rallumer à chaque fois. Elle marche pas, là. C'est normal, c'est une bouilloire. Ok. La famille, après. Oh là là, l'avocat, comment c'est bon. On le mange? Non. Ils s'en battent les couilles de ce qu'on fait, mon frère. Ça me choque. Vas-y, c'est comme ça que ça se coupe un avocat, mon frère. Alors là, on va couper des petits bouts d'avocat. Non, c'est pas comme ça que ça se coupe. Comme ça. Un avocat, c'est comme ça que ça se coupe, mon frère. C'est même pas coupé d'avocat. Quand je dis que je cuisine que toi, c'est pas une blague. Regarde, un avocat, les frères, ça se coupe comme ça. Et vous-même, vous le savez. Regardez. Et une fois que t'as coupé comme ça, tu fais ça. Regardez. Une fois que t'as coupé comme ça, attends, tu fais ça. Là, et regardez. Boum. Mais tu vois, mon frère, ça, tu peux pas le savoir si y a des trucs. Hein. Après, moi, ce que je kiffe avec l'avocat, c'est que c'est trop bon. Voilà. On va le taper, je crois. Kémy, c'est quoi ton code? Prends mon code. Dis-moi vite ton code. Allez. Pourquoi? Mais dis. 0707. Bismillah. Ah non, la même. Sans moi, mon code. Oh, on se fait un petit délire. Regardez les mecs. On est en train de dire ça. Mmh. Oh, c'est bon. Les sushis sont incroyables. Oh c'est... non, voilà, là, par contre, j'ai laissé 2 secondes avec quoi? Non, voilà, non, Camille, non, voilà, non, là, voilà, ça me fait pas rire ce que tu fais, frère. Vas-y, wesh, on en aura même plus pour les sushis. Déjà, regardez, il a acheté quoi? Il a acheté du saumon fumé pour faire des sushis. Normalement, t'achètes du saumon normal. Coupe. T'es énervé? Oui. C'est ça, tu peux mettre dans tes cheveux. Eh, je vous mets une technique, les mecs, pour les avocats comme ça, pour retirer nos yeux, faites comme ça. Voilà, faites comme ça, regardez. Éclaté. Mais voilà, tu vas voir. Regardez. Et là. Ah non, arrête, tu vas t'étouffer. Enlève. T'as quel âge? Vous dites-vous qu'il a 20 ans. Oh, voilà, c'est vrai. Oh, mais les mecs, le ridicule ne le tue pas. Et dans la vie tous les jours, si vous voulez juste apprendre un dicton, les frères, c'est. C'est quand qu'on paye les musiciens? À la fin du bal, mais il n'y a jamais eu de bal en fait. Il n'y a jamais eu de bal, les mecs. Il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de bal, il n'y a jamais eu de bal. Parce que frérot, les balles dont on parle, c'est pas les mêmes. Regarde moi, c'est des balles de la real life. Tu sais ce que je veux ou pas les mecs? La grosse ingrate, il n'y a jamais eu de bague. Non, mais regardez les mecs, comme elle. Tu sais que c'est honteux comment tu coupes l'avocat. J'ai jamais coupé d'avocat, ben je m'en fous, ben t'es un malade toi. Regarde, moi je suis un mec rare comment je coupe l'avocat, mon frère. Regarde, ça se coupe comme ça un avocat, les frères. Oui, mais parce qu'il est. Oh, je veux voir des edits TikTok où ça dit que je cuisine mieux Camélia, les frères. Mais largement, regardez comment je sors, moi l'avocat. Regardez les mecs.
Non mais Camé, attends là. Y a pas bah de ouais, bac, là. Bah ouais, bah ouais, waouh. Regardez tout ce qui rate, On le prend. Vas-y. On le prend. Attends, déjà là ça me dégoûte ce qu'on est en train de faire. Y a pas une autre assiette? Regarde tout ce que je rate. Y a pas une autre assiette? Il y avait tout ça que je ratais. Et bah regarde, ça va où? Regarde, oui. Boum. Y en a une? Ouais, il nous faut une autre assiette, s'il vous plaît. Non, Kémy, c'est khra. Tu vas arrêter ça tout de suite, là. C'est pas pour toi. Ah. Prends le plateau. Merci. Pose-le sur le côté, d'abord. Là? Non, voilà. Là, tu vas mettre les bons trucs sur le plateau. Ouais. Vas-y, mets les bons avocats sur le plateau. Mais frère, comment t'as coupé l'avocat? Tu crois que c'est normal? M'en fous, ferme ta bouche, là. Wesh. Voilà. Merde. Ah! Essaie de m'enlever ça, là. Non, vas-y, toi, je te fais pas confiance. On peut manger un petit peu? Non, tu manges rien du tout. Wesh, toi, t'es tout le temps grise, frère. Non, je suis pas grise. Là, elle est grise ou pas? Oh, tu sais pas quoi, il y a un mec sur GTA. Ouais. Il m'a streamac. Ouais. Et c'était un kangou, frère. Attends, il disait, ouais, t'es bien grise, hein. T'as un truc sur les cheveux. Alors là, mets tes mains crades dans mes cheveux, tu vas voir. Ose. Oh, il y a qu'un truc crade ici, c'est toi, mon frère. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Laisse-moi faire regarder. Tes mains, il croit, je l'entends pas. Regarde, hé, t'as un truc dans les cheveux. Tes mains. Elles sont propres, mes mains. T'as un truc dans tes cheveux. Tu fais quoi là? Tu fais le sensuel. Vas-y, casse-toi. Ah, casse-toi. Attends. Non, je m'en fous, y a pas de ça. On est pas dans un film là. Okay. Et toi, t'as un truc sur la joue. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est de l'avocat? Non, t'as pas fait ça. Bah, t'as qu'à le manger vu que t'avais faim. Arrête, mais t'es con quoi? C'est bon pour la peau l'avocat? Oh les mecs, oh, t'es quoi? Oh, on se partage les tâches! Ouais, ça commence à m'énerver toi comment t'es frère! On se partage les tâches! Toi tu coupes l'avocat? Mmh, moi je coupe le. On a le Saint-Maur à la famille. Un deuxième. Comment vous savez que c'est du bon Saint-Maur ou pas? Vous faites ça, c'est ton. Kémy, ça fait combien de conneries? Ça fait 15. Oh, c'est du bon Saint-Maur, vous faites ça, ça tombe pas. Non, pas l'eau, le truc. Oh, le Saint-Maur, on peut goûter, on en a beaucoup. Arrête de casser. Non, on va manger. Arrête, non, Camille. Attends, avec un petit peu de Saint-Maur. Non, t'as mis le. Attends. Oh, t'as les mains, on dirait. Oh. Eh, vas-y, occupe-toi du. Parle-leur, j'arrive tout de suite. Ah. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Ouais, on va. Ok, là, on va expliquer un truc. Il nous faut du sopalin. J'ai mis un coup dans le micro. Merci la régie. Smeh la régie. L'avocat. Tu fais quoi là? Je prends l'avocat. Vas-y, lève-toi, mon frère. Ah, mais on voit pas. Ouais, du sopalin, s'il te plaît, va prendre du sopalin. C'est le sopalin. Ok, là maintenant, on va expliquer un petit peu, ok? Moi, je déteste cuisiner quand c'est le bordel. Donc, on va nettoyer. Ça va? Waouh, on a bien coupé les avocats. Camé! Passe. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as les mains sales. Sors. Voilà, tu m'as déboîté le petit doigt. Mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Non, voilà, j'ai jamais vu ça. Ok, vas-y, maintenant. On va vous expliquer un truc. Non, là, c'est pas pro du tout. Les gars, regardez, on va vous expliquer. Regardez, hein. Là, pousse ça, non. Regardez, là, on a les avocats. On va bien les couper en rondelles, etc. On en a pris deux autres. Ça, c'est les déchets. Là, on en a pris deux autres. Attends, t'as oublié de montrer l'autre déchet. Non, il est là, l'autre déchet. Ah. Donc là, voilà, là, il y a les bons avocats. On va bien les couper en bonnes rondelles, enfin non, en triangle. Le riz. Oh putain. Attendez, on va voir le riz. Oh putain. Ah mais c'est quoi ça? C'est la cuillère des avocats? Ah oui, j'ai mangé des avocats avec cette cuillère là. Eh? J'ai mangé des avocats avec cette cuillère là tout à l'heure. Camé. Chut. Ça marche pas comme ça, faudra que tu tiennes. Voilà, là j'ai mis la cam sur les trucs. Sur ce qu'on fait.
Le riz est... Oh! Attends, film, film. Mélange. Non, il y a trop d'eau. Pourquoi il y a encore... Mais beaucoup. Parce que c'est bien. Vas-y, viens, on goûte. Crache dans moi. Crache dans la main. Non, non. Tu veux me faire un câlin? Le riz, les gars, sachez que le riz est tout dur. Non, la vérité, là... C'est là, quand le... j'aime, je serre, frère. Non, là, le riz, c'est parce un flop. Parce qu'on commence à serrer, là. Bon, les gars, on va encore couper les avocats. Vas-y, là, je t'écoute, regarde. Non, moi, je coupe plus les avocats. Si. Les avocats, c'est bon, ils m'ont rendu fou, vas-y, frère. Vas-y, Camille, se dépêche. Oh, jamais autant parler d'avocats de ma vie, frère. Coupe les avocats, moi, je me suis. Bah, si, t'as parlé d'avocats, hein, quand même, dans ta vie, avec tout ce que t'as fait et tout. Ouais, mais arrête de dire ça. Oh, femme à marier, wallah, femme à marier. Regarde comment j'ai ouvert l'avocat. Merde. S'il vous plaît, les gars, regardez comment j'ai ouvert l'avocat. Ça, c'est une vraie femme à marier, ça. Tout était parfait, là. Une vraie femme à marier. Regarde comment j'ai ouvert l'avocat. Ah ouais, pas mal. Mmh. Une femme à marier pour qui? Pourquoi tu ouvres ça? Non. Putain, mais j'ai le droit de rien faire. Quoi. N'ouvre pas ça, viens, ma vie, viens. Viens, Nénette, viens, mets-toi à côté de moi. Ok, s'il te plaît, je te demande une tâche. Arrête de toucher à tout, s'il te plaît. Arrête! Viens. Wesh! Frère, on a le droit de rien faire, mon frère, c'est un truc de malade ici, wesh. Viens là. Kémy, je te demande un seul truc. Genre vraiment, dans ma vie, je te demanderai rien d'autre que ça. Viens là! Putain, les gars, on va prendre 3 heures avec les avocats, je le sens. Je me dépêche. Vas-y, c'est bon, fais ce que tu veux. Ouais, ouais. C'est ce que je veux. Je fais ce que je veux. Non, non, je veux goûter. Non, tu veux goûter. Arrête! Wesh! Ouais, elle a pris son micro. Je peux plus, les gars, je peux plus. Les gars, c'est plus possible. Kémy, arrête de vouloir tout goûter, tu me saoules, là. Voilà, là, les gars, j'enlève tous les avocats. Voilà, c'est bon, l'avocat, il est bien. Ok, maintenant, hop, parfait. Ok, donc là, le deuxième, et après, c'est bon, les gars. Après, on peut attaquer. T'as causé des conneries, t'es hyper actif, frère, là. Ah, t'as du riz sur la... Oh, les gens comme toi, je déteste. Ah, oh, t'es une porte, toi. Sale cochon, va. Tête de... Hey, tête de bite. Wesh. Bah, c'est qui m'a appris ça? Je prends exemple sur mon mari. Non, je rigole, t'es pas mon mari. Ah, wallah, elle me dégoûte. Regardez comment il parle. Ça, c'est les mecs. Wallah, ça, c'est les mecs. Ah, elle me dégoûte. Mais les mecs, c'est les mecs, frérot. Oh, je vois ma mère cuisiner couper des avocats, frérot. Elle les coupe pas comme ça. Parce que je suis une chacale, regarde. T'es une quoi? Je suis une chacale. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah, tu m'écœures, là. L'amour, c'est un tue-l'amour. Non, bah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Toi aussi, c'est un tue-l'amour, Kémy, il a vomi devant moi. Ouais. Ok, les gars. Maintenant, là, les avocats, c'est bon. Maintenant, Kémy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les avocats, ok? On va les couper d'une bonne manière. Ouais, ça fait une heure, les choses avocats, frère. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vas-y, viens. Viens. Kémy, viens. Tu peux montrer les avocats? On va couper les avocats. Ok, tu prends un couteau, tu vas pas me regarder faire. Y a pas une fenêtre ouverte là? T'es vraiment un porc. Sur le mur. T'es vraiment un porc signé. Et sur après. On va couper les avocats. On va les couper comme ça, ok? On va couper des petits trucs comme ça pour que ce soit joli. Ouais, regarde. Tu sais, moi je propose quoi? Fais les avocats. Fais les avocats. En fait, ce que t'as pas compris, tu vas rien faire sans moi parce que tu fais n'importe quoi. Je vais rien faire sans toi. Non. Ah, ta petite moustache. Oui, j'ai jamais pu les. T'es pas là pour me regarder. Coupe. Voilà. Là, c'est bien, là. Wallah, t'as dit j'y vais, wesh. Bah, et alors? Ça te dérange? Ça te dérange ou pas? Elle a une petite moustache, les gars. Attends, juste le sang. Calme-toi. Oh, t'as cru que t'étais où, là? Recule. Arrête, wesh, calme, wesh. Je commence à me faire chier, là, un moment. Vas-y, coupe comme moi. Coupe des bouts, là. Sois un homme. Vas-y, coupe des bouts comme ça. Vas-y, ouais. Tu veux, je coupe des bouts comme un homme. On va couper les bouts comme un homme, mon frère. Mais putain, frérot, tu sais pas utiliser de couteau. Eh, wallah, les gars, c'est cauchemar en cuisine avec lui, frère. Alors, coupe des bouts comme ça, voilà. Des petits bouts comme ça. Hop, et tu les mets là-bas. Tiens, vas-y, bouffe, ça va te faire du bien. Voilà. Oh là là, si seulement tu pouvais faire un malaise. Pour que je forme un peu ta bouche. Voilà, là, on coupe des petits bouts pour nos petits maquis. On les coupe pas.
coupes comme ça, en fait. Tu te donnes des coups, Kémis. Tu fais pas comme ça. Non, tu fais comme ça. Voilà. Oh là, c'est parfait. J'aime beaucoup quand t'es comme ça. T'es en train de m'avancer. Voilà, génial. J'arrive là? Oui, là, tu arrives parfaitement. T'es trop fort. T'as un homme à marier. Arrête. Je te jure. On peut parler du jour avec ta mère et tout, ça? Oui. Wallah, pour de vrai, je te parle grave ça. Ça y est, oh, bah, tu sais quoi, on va en parler. Non, là on est en train de cuisiner par contre. Ok, vas-y. On est en train de cuisiner. En plus, hier, j'allais chialer quand j'ai pensé à ça. Quand je t'ai parlé de ça? Non, quand j'ai pensé à ça en live. Quand t'as pensé à quoi? Je sais pas, ça m'a stressé en fait. De quoi, le halal? Oui. Pourquoi ça t'a stressé? Non, mais genre, je me suis dit, genre, moi je suis Camélia. Ouais. Moi je vois comme Camélia. Genre, toi, tu me connaissais pas avant, mais genre, moi, la petite. Genre, pour moi, c'est Camélia toute ma vie. Tu es un bébé. Le couteau, baisse-le. Le couteau, bah voilà, ça, si on se marie, tu fais un truc. Par Allah, il y a un an, j'ai te maudit actuellement, mon frère. Et ça, c'est ton souci. Moi, je m'écarte de toi. Non, par contre, évite de me toucher quand t'as mis de l'avocat dans ta. Arrête de me pointer avec un couteau, quoi. Voilà, les gars, là, on a préparé les avocats. Regarde comment c'est beau. Là, on a préparé tous les petits avocats. Voilà. Non, Kémis, pour là, t'as. Non, là, t'as zéro respect pour la nourriture. C'est la nourriture d'Allah. Mais c'est la nourriture d'Allah, mon frère. Mais les crache pas comme ça, en fait. Je la mange, mon frère. Olé, esquive. Olé, esquive. Non, arrête, ça fait, je suis malade. Ça n'a aucun rapport. Si. Ok, les amis, on va montrer les kits. Les kits de sushi. On va ouvrir les kits de sushi. Les kits de sushi. Ah non, on a oublié un truc. On n'a pas coupé la mozza. Il n'y a pas besoin. C'est pas de la mozza, c'est une samouraï. Et ça se rajoute après. Oh, toi, faut vraiment que je t'apprenne à. Eh, pourquoi j'ai l'impression de cuisiner? Oh, toi, faut vraiment que je t'apprenne à cuisiner, toi, vraiment. C'est incroyable, voilà, ça commence à me rendre. Attends, enlève tes mains. Hein? Enlève tes mains. Allez, ah non, Kémis, voilà, là, par contre, ça va vraiment. Enlève tes mains. Non, là, tu te fous de ma gueule, par contre. Là, j'ai un haut blanc, par contre, tu te fous de ma gueule, en fait. On peut tout rattraper. Ok, vas-y, nettoie, dépêche-toi. Dépêche-toi, Kémis, là, t'as aucun respect. C'est bon. Je m'en occupe. On voit plus rien. Nettoie. Je m'en fous, toi aussi, t'as un haut. Hey. Ok, bah vas-y. Okay, attends, c'est bon. Okay. On répond par le mal. Non, c'est bon. On répond. Vas-y. Tu sais quoi? Regarde bien la vengeance. Wallah, retenez bien. Retenez bien ce qu'il vient de me faire, retenez bien la vengeance. Alors, on va ouvrir les kits. Les kits de. Sushi! Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Kémis? Qu'est-ce que c'est que ça? Les baguettes, mon frère. Non, pas du tout. Non, calme-toi, ça c'est pour plier. Le riz. Non, mais le riz, on va l'oublier. Hein. Le riz, il a l'air incroyable, la famille. Regardez. Et comme il a l'air incroyable, Kamel, elle va le goûter avec moi. Non, goûte pas tout ça, tu vas cracher. Hein. Normal, il est dur. Bah oui, parce qu'il est pas cuit. Non, les gars. Ah, j'ai réussi à remettre. Non, je vous dis. J'ai réussi à remettre. C'est mort. Je vous dis la vérité, les gars. Moi, j'avais déjà opté pour une autre technique. J'arrive. Camille, ouais. Prends là-bas, il y a le truc. Camille, il faut que tu prennes le truc là-bas. Là-bas, Camille. Non, je prends rien. Oui, les gars, on avait opté pour une technique parce que je savais très bien que Camille, il allait saboter mon truc. Donc, moi, je me suis permise de commander du riz parce qu'on ne pouvait pas faire cuire le riz, malheureusement. Kémis, c'est à quoi qu'on allait faire avec ça? Non, ça, c'est des algues, donc c'est très, 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 très fragile. Ok. On a pris du wasabi aussi, frère. Wallah, donc, les gars, on peut commencer. Du wasabi, lâche. Tu sais quoi, vas-y, tu vas me saouler, toi. Croque. À chaque fois que tu fais une connerie, tu vas croquer. La vineur, je rigole avec toi. Allez. Alors là, mon frère, allez. T'as serré, voilà, t'as cru que j'étais. Si tu m'aimes, prouve-moi ton amour. Mais elle croit, on est au centre de loisirs, c'est mon animatrice, toi. Alors, je t'explique comment ça se passe. Ah, parce que là, t'es pas au centre de loisirs, calme-toi, toi. Baisse les mains. Voilà, X. Voilà, calme-toi, baisse les mains. Oh, vas-y, viens, on fait un truc, GTA. Les touches, vas-y, dis-moi, une touche, je le fais. Vas-y. Slash E, strip workout. Strip workout. Je connais pas, vas-y. Ok, slash E, site 2. Ok, mais je peux pas. Ok. Slash Euline. C'est quoi slash Non, mais dis-moi des mots. Il fait comme ça. Ah, t'aimais trop faire ça pendant la scène, c'était comme ça. Après, slash Euline 2, il fait comme ça. Lin, L-I-N L-E-A-N. Slash Linboard. Il fait ça. Ok, les gars, j'ai jamais préparé de sushi. C'est stylé ou pas comment je le fais? J'ai jamais préparé de sushi, donc je sais pas comment. Oh, les algues!
Les algues. Les algues. Oh, on a deux kits, hein, par contre. Hein. On a deux kits. Hein. On va commencer avec un, ok. On a deux kits, les mecs. C'est qui de sushi ? Ok, là, les premiers trucs qu'on va préparer, c'est des California avocat saumon, ok ? C'est incroyable. California avocat saumon. C'est ma sœur, je peux lui répondre ? Ma sœur, elle m'appelle. Allô ? Mais qu'est-ce que tu... Je suis en live, qu'est-ce que tu racontes ? J'en ai rien à foutre. Ça, c'est les algues, les gars. Ça, c'est les algues. On met ça là, on va ouvrir ça. Attends. T'as dit quoi ? Attends, écoute ce qu'elle dit, s'il te plaît. Oui. Oh, Aïché, commence bien par avec moi. Oh. Allô, Kélissa ? Ça, c'est les algues, frère. Ok, on arrive vous ouvrir. On arrive vous ouvrir tout de suite. Eh, hey, dis-nous, non, toi. Kélissa, non, tu me dégoûtes. Touche à rien, là. Avec un peu de saumon. Regarde, Kélissa, même moi, je sais pas faire, mais là, j'essaie de me contrôler. Oh là là, ça tue, frère. Ah. Oh, là, on va faire des sushis, mon oui, frère. Oui, oui, regarde, vas-y, là, je vais t'expliquer comment on va faire. Là, on prend une algue, on va la mettre ici. Ouais. Ok ? Ces deux algues-là, on va les mettre là. Vous savez, c'est quoi le point commun entre les sushis et Kamé ? C'est que les sushis, il y a du thon, et que Kamé, c'est un thon. Ok, vas-y, maintenant, on va prendre le riz. J'ai regardé un petit peu des vidéos avant. Eh, comprenez, on fait ça. Yamakatori. Non, non, là par contre, c'est pas drôle. On prend le riz, Kémis, vas-y, viens, on le fait ensemble. Prends ma main. Yamakatori. Je t'en supplie, Kémis, je t'en supplie, fais ça bien. Vas-y, Kémis, prends ma main. Vas-y. Voilà, doucement. Non, je suis dégoûté. On n'a pas fait du riz pour rien. Non, bah alors là, je t'explique un truc. Je ne peux pas. Désolé, frère, je peux pas. C'est plus possible. Regarde, Kémis, là, je suis en train de t'expliquer. Wallah, on va le faire un jour tous les deux. Là, maintenant, on étale le riz. Mais pas du tout, frérot. Mais qu'est-ce qu'elle fait, frérot ? Oh là, je t'explique. Tu seras en Chine, on t'aurait déjà laissé par terre, mon frère. Au Chine ou au Japon. Je sais pas, ça vient d'où, mon frère. Tu vas fermer ta bouche parce que c'est comme ça, ok ? Ferme ta bouche. Ah ouais ? Ferme ta bouche. Oui, okay. C'est comme ça. On continue à étaler le riz, ok, ma vie ? Hop. On étale le riz, hop. Et on mange pas le riz. On continue à bien étaler le riz, comme ça. On étale partout. On laisse bien une petite marge, j'ai regardé sur internet. Car on arrête de manger le riz. On l'étale comme tu fais, là, comme ça. Non, Kémis, par contre, moi, j'aimerais bien que tu apprennes là, que tu prennes un peu de maturité. Oh, j'ai pas besoin d'apprendre quand tu connais déjà mon frère. S'il te plaît, Kémis. L'apprentissage. J'appréhende des choses là. Quand je te regarde dans les yeux, caméra, dans les yeux, deux petites minutes. Ouais, tu sais, mon maquillage. Ok, vas-y maintenant, Kémis. S'il te plaît, je t'en supplie, concentre-toi. On va prendre le saumon. Tu m'aimes ? Oui. Vas-y, dis-le. Non. Ah, ouais, hein. C'est comme ça. Vas-y, qu'est-ce ça qu'on fait chiant, là, tu vas participer un peu. Non, je suis pas ton chien. Qu'est-ce qu'on fait avec le saumon ? T'es pas mon chien ? Qu'est-ce qu'on fait avec le saumon ? Ouais, je comprends. T'as pris la confiance, ça met des coups par contre. Qu'est-ce qu'on fait avec le saumon ? Arrête de lever la main sur moi, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Comme ça. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le saumon ? Là, tu le manges. Ok, les gars. C'est le cousin Camélia, le saumon. Voilà, j'ai jamais fait toucher. Je vous présente le saumon et je vous présente le thon. Le cousin Camélia ? Amine, mon cousin, c'est un thon ? Non, voilà, Amine le sang, voilà. Merci beaucoup, mon frère. De faire ce... Oh. Oh mon Dieu, ce qu'elle allait dire. Merci Amine pour tout, mon frère, on t'aime. Merci Amine. On va pas dire ce que tu fais, mon frère, mais grâce à toi, je paye pas mes amendes. Et voilà quoi. Bah ok, mais c'est pas grave en fait. Là les gars, ce qu'on va faire, je sais pas si on fait comme ça, hey, s'il vous plaît. Y a ma daronne là ? Oui. S'il vous plaît, ne me chuchez pas. On va mettre des tranches de saumon comme ça. Voilà, je sais pas si on fait comme ça. J'en ai jamais fait de ma vie. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Qui s'est fait, frère ? Mais Kémis, je sais pas moi ce que je fais. Ramène-moi l'autre saumon. Voilà, on prend l'autre saumon. Pourquoi les gens ils me disent ta sœur ? Oui, elle arrive. Ah ouais, elle arrive. Oui, les gars, t'inquiète pas. Ils vont goûter les sushis. Ils sont partis la chercher. Yamakatori ! Franchement, je sais pas pourquoi tu dis ça en fait, ça veut dire quoi ? C'est les sushis. On continue à mettre des petites tranches. Yamakatori ! Kémis, t'es là pourquoi là ? T'es là pourquoi ? Wallah, il est là. Vas-y, c'est bon. Kémis, il est là que pour saboter le truc. Voilà. Ok. Là on a mis des saumons. Vas-y. Ok, vas-y. Oh, les mecs, désolé, on va être obligé d'arrêter live. Je dois rappeler ma mère. Pas du tout. Pas du tout. L'écoutez pas. Je leur dis, les mecs, faites attention à vous. Gros bisous. Non, restez les gars. C'est pas vrai. Hein ? Ok, maintenant les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits bouts d'avocat. En fait, les frères, désolé, je me suis trompé. On va pas forcément arrêter live. En fait, attends. On devait appeler ma mère. C'est quoi ? Vas-y, tais-toi. Là, tu fais quoi depuis tout à l'heure ?
Rien, tu fais rien du tout. Vas-y, fais, mets des bouts d'avocat. Mets ah des, putain, t'es une grosse porte. Mets des bouts d'avocat. Vas-y, pousse-toi, laisse-moi, j'ai besoin d'espace. Oh, fais-moi un massage dans le dos. Non, t'as les mains sales. Non, mets des bouts d'avocat, je veux rester à côté de toi parce que je suis. Attends. Déjà, faut pas travailler dans des conditions comme ça. Un bout d'avocat. Le deuxième. Ok, c'est bon, fais plus rien. Arrête. Regarde, là, on met des petits bouts d'avocat comme ça. Je sens que je vais faire n'importe quoi. Les gars, si je fais n'importe quoi, dites-le moi. On va mettre que ça comme avocat. Ah, il faut du vinaigre! Putain, mais les cons, ah le oui, vinaigre! Ah oui, on a oublié non, le vinaigre! Non, frère, non! Pour le riz, c'était pas. Non, mais non! Putain, mais non, frère, Kamé! On va en mettre dessus, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ok, les gars, là, normalement, je suis censé retourner. Frérot, c'est pas pro ça! Là, je suis censé retourner. C'est pas pro, Kamé, wesh! On va enlever frère. Les bouts d'avocat. Non! Et là, on va retourner le truc, vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop! Oh putain, je vais la niquer. Mais pas du tout. Mais si, parce que c'est des California. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, en fait, t'as pas besoin de retourner. Oh, on retourne pas de truc. Mais frère, fallait juste enrouler comme ça. Oh, mais quoi, non, parce que c'est des maquis, ça va être tout noir. Mais qu'est-ce que tu racontes? La vie de ma mère, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Mais dans ce cas-là, fallait mettre du riz en dessous, ça alors. Mais frère, je peux plus, wesh. On met un peu de vinaigre. Non. Putain, mais elle défonce tout, mon frère. Et le pire, frère, c'est qu'en plus après, elle va tout bouffer. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que le riz! C'est pas grave! Oh, moi j'en peux plus! Regarde, tu sais quoi? Moi je vais prendre ma petite, regardez bien, ma petite peanuts butter, frère, rien à foutre de ta gueule, ça y est mon frère, tu fais n'importe quoi. Tu m'as fané. Non, alors là, hors de question. Voilà, je sais pas ce qu'il raconte. Hors de question. Déjà que tu fais n'importe quoi, tu vas pas faire n'importe quoi jusqu'à la fin, ok? Oui, je suis mon frère, moi ça y est. En fait, est-ce que tu aurais réussi à faire ce que je suis en train de faire là? Vas-y, tu me laisses. Pour le prochain? Non, laisse-moi tout. Non, c'est fini. Là, toi, tu aurais jamais réussi à faire ce que je fais. Ok, donc maintenant on fait quoi? On enroule? Donne, laisse-moi, je peux faire. Je t'en supplie, fais pas n'importe quoi. Là, okay. Tu vas pas foirer tout ce que j'ai fait. Ok, vas-y. Okay. Regarde bien ce qu'on fait. Hein. Oh my god, pas du tout. Non, Kémis, pas du tout. Laisse-moi faire. Faut que tu prennes ça. T'inquiète. Vas-y, Kémis. On peut le faire, je te jure qu'on peut le faire. Vas-y, enroule. Voilà, et là, serre. Ok, là, je serre. Serre comme l'animal? Oui. Ok. Ok, vas-y, re-enroule. Et là? Oh, on va réussir, Kémis! Et là? Tu serres encore. Comme l'animal. Oui, comme l'animal. Ok. Ok, là tu serres bien. Et là maintenant tu restes comme ça. Il y a un marcatori. Tu serres même pas. Si, je serre, t'inquiète. T'inquiète. Salut les invités. Plus de bruit au pire, hein, des cas. Au pire des cas, plus de Hello. Bruit. Vous avez poussé deux canapés, frérot. Vous avez le droit de dire bonjour, hein. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de faire ce que vous voulez ici. Vous êtes chez vous. Merci, Camille. Voilà. Camille. Bon là les gars, on a enroulé mais je sais plus quoi. Non Kamé, t'as fait n'importe, wallah. Wallah, j'ai pas. Wallah que t'as fait n'importe. T'as vu comment t'es un engrand là? Regarde pourquoi t'as fait n'importe. Ah ok, je sais. Désenroule. Voilà. 2, 3. Des bons sushis. Ok, c'est pas grave. C'est pour bien les mettre dans les trucs, on va dire c'est fait exprès. Oh les avocats, les pauvres. Ah voilà. Viens on enroule sans ça. Vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Attends. Oui. Là, on a la maman de Kémis qui est arrivée, les gars. On va lui faire goûter ce qu'on est en train de faire. T'inquiète, tu as kiffé, Moumoun. Voilà, Kémis. Maman, tiens, on a un sushi pour toi déjà. Non, pas du tout, faut le couper maintenant. Ah ouais? Vous avez bien lavé vos mains? Oui, t'attends, on a désinfecté nos mains 30 fois. Bah. Okay, maintenant, on va couper. Allez, on coupe doucement. Oh là là, ces sushis à. Mais pourquoi il n'y a pas le riz sur l'algue? Parce qu'on a fait des maquis, t'attends, c'est pas des galipas. Tu as commencé à critiquer les sushis là? Oh putain, le téléphone. C'est des maquis, chérie. C'est maquis. Y a quoi dedans? C'est des maquis. Y'a un makatori. Mais vous avez pas beaucoup utilisé le riz. Je crois qu'elles sont belles le maquis là. Vite, Camille. Ouais. Attends, non. Et le samoré, vous avez pas mis de samoré? Oh putain, elle a rien mis, frère. Oh maman, je peux plus. Regardez, non, c'est pour la deuxième celle-là. Mais pourquoi y a du saumon sur la. Regardez la maquille de Camélia et Kémis. Je te jure, Tata, elle est pas moche. C'est la maquille de Camélia. Ben, excuse-moi. Elle va bien coller. Je pense que. Deuxième maquille. C'est du riz. Deuxième maquis. Tu vois, en fait, il fallait préparer. C'est pas moi, ça. C'est pas des maquis, c'est des. C'est des Camis. C'est moi qui dois goûter? Oui, Tata. Oui. Attends, t'inquiète, on va t'en préparer une deuxième. Elle, c'était la sabotage, la première, Tata. Eh, c'est pas moi, celle-là, wallah. Alors, après, moi, je ferai les miens, parce qu'elle m'a fait mal au crâne pour rien du tout. Vas-y, ok. T'as fait les tiens, maintenant, je fais les miens. Ça, c'est. Trop beau, en tout cas, hein, comme ça. C'est vrai, t'as vu comment c'est trop stylé? La licorne. Ok, vas-y, celle-là, viens goûter. J'ai vraiment, il comprend pas l'arabe, il laisse tomber. 2, 3. Foutu ce mec-là. Camélia, elle a goûté la première. Ouais, parce qu'elle est fou.
T'as ça ou pas? Rajoute ça. Mais mets un peu de sauce. Pourquoi t'as pas mis de sauce sucrée? Non, j'en ai pas. Ah, bah, c'est Kémy, c'est ses courses. C'est bon, hein? C'est horrible. Il y a tout le monde qui a... C'est horrible, moi je dois goûter. Regarde, maman, je vais te faire des sushis, tu as râlé. Non, mais moi je veux pas des algues. Non, je veux pas des algues, je veux que du riz. Je veux choisir ce que je veux. Non, non, tu choisis rien du tout, frérot. T'écoutes des trucs. Regarde. Pourquoi vous m'appelez? Eh les mecs, là, on passe juste sérieux, mon frère. Attends. Mais ça doit être mouillé, ça. T'as pas compris, elle connaît pas, elle est derrière moi. Laisse-moi faire, wesh. Ah, chemist, là, tu fais n'importe quoi. Ah ouais, désolé. Écoutez, on humidifie un petit peu. Ah ouais, oh, il y a des câbles. Oh putain. Il est con. Oh putain, couvrez-vous, ça risque de péter. Camé, s'il te plaît, tu m'as géré. Moi, je vais en faire un de mon côté. Hein. Bah, fais un de ton côté et reste bien de ton côté parce que. Tata, j'essaie de m'appliquer. On n'est pas du même côté, regardez. Elle est choquée, t'as fait. Mais oui, je suis choquée parce que le riz, c'est pas du riz sushi, ça. Ça va, maman. Maman, ouais. Je sais que ça va. Si tu peux mettre les sushis sur ça. Regardez les frères, regardez bien comment on fait. Les mecs, un vrai. Elle a de l'audace, hein, elle veut que tu les présentes en plus. Regardez bien les frères. Je fais comme ça. Bah oui, quand même. Jamais elle connaît pas. Elle veut une présentation. Non, attends. Bien sûr, Tata. Camille, elle connaît pas les mecs. Wallah, en fait, tu sais, Tata, voilà. Moi, je goûte pas les. Non, je peux. Par contre, je ne goûte pas les sushis de Kémis. Là, je suis. Ouais. Ah ouais, que du sevi. Wallah, c'est incroyable ici. Ok. Non, non, elle a raison. Mais elle a raison quoi, mon frère? J'ai mouillé la. Regarde, là, moi, ça a plus de gueule qu'autre chose. Regarde, boum, 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 boum. Maintenant, il est où le saumon? Viens là, toi. Viens là. Moi, je veux des avocats, du saint-moré. Ok, vas-y, Tata, je vais faire. On fait tous les deux et elle va goûter le meilleur, ok? Vas-y, c'est bon. On fait tous les deux la même recette. Moi, je vais m'intoxiquer, quoi. Le meilleur. Il est pas cuit. T'as vu, elle même Zidia, elle a pitié pour moi. Ok, là, les gars, c'est la guerre entre moi et Kémis. C'est pas là. C'est oh, bon. Oh, prends, empiète pas sur mon terrain. C'est tout ce que je vais te demander. Parce que... Arrête, non, 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 non. Là, dessus, c'est du gâchis, là, mon frère. Arrête de faire ça. Mais Kamélia, c'est moi qui dois goûter ça. Wesh, mon frère. T'abuses, wesh, Kamé. Faut que j'en rajoute maintenant à cause de ta gueule. Oh, oh, oh. Vas-y, excuse. Les gars, là, regardez bien. Je vous jure, je vais faire un bête de truc. Attends. Je vous jure, les gars, je vais faire un bête de truc. Faites-moi confiance. Les mecs, regardez. Tu sais quoi, regarde, chacun son riz, chacun son riz. Non, là, moi, je suis pas avec toi, moi. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Filme-nous, ouais. Le film, il est à la préparation. Regardez bien. Kémis, comment tu recopies sur moi? Ah, t'as vu comment t'as recopié? T'as vu comment t'as recopié? On peut voir le live de Kémis et Camélia. Kémis, t'as recopié sur moi c'est ou pas? C'est moi qui dois goûter ça, les gars. Kémis, t'as recopié sur moi, oui ou non? Demain, si vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est ça, ouais. C'est que j'aurais fait une intoxication alimentaire. Ok, les gars, de fortes chances. Je vous jure, là. Surtout qu'ils se font la guerre, donc ils se balancent des trucs un petit peu chacun. Je vais m'appliquer pour la mère à Kémis. Ouais. Ils se balancent des trucs un petit peu chacun. Aïe, s'il te plaît, je te mange gentiment. Voilà, ah, là, tu veux que je prends en témoignage. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a du piment rouge là-bas. Vas-y, c'est quoi, Kémis, on arrête. Oh, tu poses beaucoup de questions, le sang. Bah, excuse-moi, c'est moi qui va goûter. Donc, le sang, il a le droit de savoir un petit peu. Regarde, moi, tu veux. T'aimes les avocats? T'aimes bien les avocats ou pas? Pourquoi le riz il est comme ça? Est-ce que t'aimes bien les avocats? Mais viens voir le riz, tu vas voir Mimi, c'est flippant. Est-ce que t'aimes bien les avocats? Ouais, en plus j'aime trop ça, bah, le Saint-Moret et tout. Arrête! Pourquoi vous avez pas... Camélia, pourquoi vous avez pas regardé un tuto avant? On a regardé un tuto, mais parce que c'est moi qui fais le tuto. Tata, moi j'ai regardé un tuto, tu crois comment on sait faire ça là? C'est grâce à moi. Ah, donc là il y a du travail en plus. Ah oui. D'accord. Ok, ensuite, je mets le saumon. Non, mais moi je fais pas. Vous avez mis du vinaigre comme si c'était de l'eau et tout. Ouais, ça va, Pierre. Mais vas-y, mais toute la plaquette, c'est tata, mieux. Tata, tu vas te régaler, fais-moi confiance. Ça va, Pierre Ménès. Moi je suis pas convaincue. T'es là, tu fais le commentateur je te jure, de. Tu vas te régaler, papa. Écoute, tu vas voir, c'est tout. Comment il va fermer ça, lui. Moi je propose que tout le monde goûte. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui goûte. Ok, vas-y, toutes les sœurs de Kémis ont goûté. Non, non. C'est. Non, mais elle a pas envie, mais. Mais tout le staff, là. Hein, fais ça, tout le caméraman. Ah ouais. Oh t'inquiète, on te regarde pour merci, après. Merci pour la solidarité, le soutien. Ok, les gars. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des algues normalement dans les sushis. Hein. S'il te plaît, tu vas faire, tu vas écouter un petit peu. Enfin, tu vas pas écouter, mais tu vas juste regarder un petit peu, regarder bien comment ça se passe. Ça va trop bien, là. Ça? Ah ouais, je te jure. Regarde, et là, tu fais ça. Puis c'est de la moustache et tout, Zama, ça fait vraiment... En tout cas, tu... T'aurais pas pu réussir dans la cuisine, ça c'est sûr. T'empiètes sur mon terrain là.
Regarde, là, il n'y a plus personne qui parle, là. Hein. Je pense qu'on n'ira pas souvent manger chez vous, nous, Camélia et Camis. Ça tombe bien, parce qu'on ne vous invite pas. Ah, à part quand vous commanderez des McDo, hein, Camé. Non, 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 voilà, je préfère manger, mais pas ça. T'es prêt? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regarde, Camé, t'es prête? Voilà, sois pas jalouse. Non, mais attends, attends. Voilà, t'es prête, maman? Parce que tu es là, tu parles, mon frère. Olé. C'est un taco, ça a la raison. Horrible. C'est pas grave, parce que je l'ai pas mis de l'autre côté. Ah, parce que je dois noter, c'est ça en plus, c'est ça? Je dois noter un des deux. Camille est bien partie, mais je sais pas comment on va serrer ça. Et le riz, c'est le riz qui me. Franchement, celui de Camille, il est clean. Ouais, bon, oh là là, c'est incroyable ça. Non, mais moi aussi, en toute objectivité, Camille, c'est. Ouais, en toute objectivité, c'est vrai que c'est très très objectif. Hein. Bah, attends. Non, franchement, elle le fait bien. Yamaki Tori! Il a fait un parpaing, je vais pas manger son parpaing, moi, je peux pas. Franchement, coupe. Mais bien sûr que je coupe. Mais coupe des petites rondelles. Vous avez faim, les enfants? Oui. Super. T'inquiète, Karim, tu vas manger les miennes. T'inquiète, tu vois, c'est pour moi. Camélia, il t'a renversé quelque chose ou c'était ta chienne? Oui, il a fait quoi exprès? Il a pris ça, il a fait Camélia. Eh. Mais ça se fait pas, vous étiez en blanc, Camille. Franchement. Regardez, les gars, regardez. C'est ton problème, c'est oh, Camille, il a trop la haine. Camille, ouais, il a trop la haine. Regarde bien. Camille, il a trop la haine. Camille, elle n'arrive pas à l'enlever. Oh non, on a roulé avec le truc en bas. C'est pas grave. Tout se rattrape dans la vie. Oh purée, je fais n'importe quoi. Tata, je fais quoi? Mais t'es sérieuse ou quoi? Ah, Tata! C'est votre riz. Oh, qui va nettoyer tout ça? C'est bon, les gars, pas de panique. Mais Camille, il a invité tous ses potes à la maison à manger une raclette. J'ai jamais vu les gens. Ils mangent. Franchement, je tiens à dire japonais, chinois, valer, tous ceux qui font ça, wallah, vous êtes très forts. Non, mais c'est une technicité, je pense qu'il faut apprendre, c'est tout. Et vous n'avez pas le bon riz, Camé. C'est ça qui vous a tué, c'est le riz déjà. Ah, le vinaigre, il faut en mettre beaucoup. T'as vu? Ça se voit que je vais être malade, tu vas vraiment le bon. Oh, c'est horrible. Là, ça m'a mis des époustillons. Des époustillons, pas des époustillons. Non. Au pire, on reprend le grand angle, c'est bon, on remet le grand angle, au pire. Ouais. Maman, faudra que tu t'assoies, on sort. Hé, Kémis, t'as pas de préparation, t'as pas d'assiette? T'as pas de préparation, Kémis, t'as pas d'assiette? Regardez. Regardez les amis, même si c'est moche, ça a l'air bon. C'est pas fini mon frère. Mais je sais pas, pourquoi tu t'es ramené elle. Ah ouais. Mais regarde, je fais des sushis pour me pardonner. Elle est en bas. Juste là. Ouais. Je peux t'aider? Ouais, tu peux m'aider. Tac. Moi, je dis la vérité, les frères, je veux goûter. Les miennes? On peut mettre. Ouais. Moi, les frères, je dis la vérité, je veux goûter le grand. J'allais dire, on va garder que ceux-là, hein, parce que ça, c'est une catastrophe. Hein. Arrête. Ah, je te jure. Les tiennes, on les met même pas dans les frères, c'était compliqué. Hein. Attends, Kémis, regarde quand même, je me suis débrouillée c'est ou pas? C'est trop gros. Oui, on sait que c'est trop gros. Kémis, je me suis débrouillée quand même. J'ai besoin de messieurs et qu'un mec. Attends, ciao. Ah, nickel, c'est bon. Ça va? Merci. Les mecs, il y a la surprise du chef. Il y a la surprise là. Du réfé, la famille. Et oui. La coco, la peanuts, les mecs. Peanuts en anglais. Quoi? La peanuts butter. Ouais. Bon, les amis, là, on a vraiment foutu le bordel. Je pense que pour se féliciter, on a le droit de manger du saumon. Vas-y, merci. On peut. Non, on fait une raquette après, mon frère. Mais j'ai mal à la raquette. Pour se féliciter, on a le droit de manger des bouts de saumon. C'est bon, on arrête. Non, par contre, t'as mis dans ta bouche, tu remets pas ici, s'il te plaît. Ça va pas le faire du tout. Oh, pour le dessert, les mecs, on va manger la peanut. Attends, s'il te plaît, avant de manger la peanut, viens, on range. Non. Si, un petit peu. Non, frère, ça non. Ça prend 5 minutes. Ouais, je range après, ouais. Non, regarde, juste pour que ce soit bien, mais ça prend 2 secondes. Regarde, tiens, prends ça. Ça. Voilà, poubelle. Non, wesh, t'es con ou quoi? C'est bon. Mais non, vas-y. Mais
Mais Camille, remets dans le bol, mon frère, on va ramener à la maison. Mais t'es dégueulasse, c'était sur la table. Qu'est-ce que tu veux? Mais alors, la table, elle est propre. Mais t'es dégueulasse. Mais jamais de la vie. Bah vas-y, j'ai une toile, c'est bon. Mais Camille, c'est dégueulasse que vas-y, tu vas, on va pas acheter tout ça, mon frère, voilà. Mais c'est, mais c'était sur la table. Et alors, on peut pas remettre, mon frère. Mais non, on a mis, regarde, y a quoi? Y a tout, y a de l'avocat. Voilà, Aïcha qui met dedans ses top lait, moi je sais ce que je vais faire avec, voilà. Ouais. Regarde tout ce qu'il y a, c'est énorme. Beaucoup, il y a deux barquettes là, regarde ça. Et oui, ça, mais ce que je veux dire, le surplus, mais dedans. Mais ça, Kémy, je ne peux pas mettre ça dans. C'est dégueulasse ce que tu me dis là. C'est improbable, c'est inhumain. Voilà, les gars, on range un tout petit peu la table et comme ça, après, on goûte. Voilà, ça, on jette. Ça, on garde. Ça, on jette. Regarde s'il n'y en a plus dedans. Non, il n'y en a plus. Ah ouais. Ça, on garde. Ça. Ça, on met dedans. Tu fais quoi là? Le Saint-Mauré, ferme-le, je le ramène à la maison. C'est où les bouchons du Saint-Mauré? Les mecs, on a les. Tu sais, par contre, c'est la première fois de ma vie. Donc, la noix de coco, on l'a fait à la fin? C'est la première fois de ma vie que je vais goûter une noix de coco. Hein. Arrête. Tu jures? Moi, j'en ai goûté une à Copacabana, maman, tu te rappelles? Attends, regarde, on va essayer de faire beau. On va essayer de faire beau. Waouh! C'est trop beau! De fou malade! Ouais? Ah? Non. Elle est à la maison, je lui ai dit. Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ouais. Non, je vais te les ramener. Y'a rien. Non, mais après, j'ai pas pété une cagoule, mon frère, non? C'est pour ça. Voilà! T'as pas un masque? Tu vois, regarde comment c'était. T'as vu comment c'était vite fait ou vas-y, pas? Vas-y, je peux te montrer comment on fait notre goût maintenant? Ok, juste. Tac, tac. Attends, juste un peu d'eau. Mais tu. En fait, ça me dégoûte là. Attends, on peut présenter nos sushis? Attends, un tout goût. La coconut. Ok, vas-y. La peanut. Oh, sang. J'aime sang. Trop. Ça sent pas bon. Vas-y, bah tiens, viens, vas-y, goûte tout de suite comme ça, après c'est bon alors, vas-y. Mais attends, mais comment je peux te... Bah tu restes de dos et on filme avec cette vas-y, caméra reste, de dos. Vas-y, vas-y, viens. Attends, là, fais-moi maintenant. Non, mais sinon, elle peut faire ça, elle peut venir. Non, mais sinon, elle peut venir comme ça, Xi. Elle peut venir comme ça et elle bouge pas, elle reste comme ça et elle parle en entendant nos micros. Mais non, regarde, elle vient là et elle... Toi, tu prends cette caméra, Xi. Voilà, là, bouge pas, papa. Reste comme ça. Et tu prends cette cam, Xilia. Bah, pas de sauce. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va présenter à ta maman aujourd'hui? Des sushis. Déjà, dans la fois, les pâtes. Alors, on va présenter ça. Donc, voilà notre plat. Alors un micro en général, c'est pas pour le poser. Maman. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de la beauté de l'assiette? Je sens que tu es très fière de ce que tu me présentes. Non, j'ai très honte de mettre de ça devant la mère. Bah alors, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout honte. Et si je peux même te conseiller un, c'est celui-là. Non, mais c'est pour elle. Oui. Tu vas le manger, je le sais. Non, je voudrais comprendre le concept des piments à côté. C'est la décoration, tata. Non, c'est pas des piments, c'est des poivrons, tu peux goûter. Non, je les ai achetés avec toi. Il les a achetés pour te faire un. Bah, j'en ai un coup. Ah, il te l'a fait. Ok, j'ai raté. Ah, attends. Bon, je peux goûter là. Attends. Attends, moi j'ai une idée, Tata, nous poser une question. Celui qui perd, il mange un vrai croc, par contre. Ouais. Tiens. Ça va? Non, mais ça, cette fois-ci, je jure que tu crois. Vas-y, tu poses une question. Ouais, et nous poser une question. Ce que tu veux. Sur la vie. De quoi? Sur la vie que toi tu connais, mais nous on connaît. Je crois que c'est Robert De Niro. Les mamans, c'est quoi le rapport avec Robert De Niro? C'est un acteur. Hein? Genre, les mamans, elles connaissent des trucs dans la vie. Mais c'est quoi le rapport là? Pose un truc par rapport à mais c'est quoi? Je dois plus goûter des sushis maintenant? Si, mais d'abord, Non, Kémis, arrête! Là, non, mais tu vas vraiment manger ça. Non, mais franchement, vous allez être malade. En gros, elle veut que je comprends pas ce qu'on dit aussi. Hein. Mais en gros, elle veut que tu poses une question sur n'importe quoi et le premier qui répond. Ça peut être une capitale, ça peut être ce que tu veux. Ah d'accord, une question. Ouais. Mais j'ai trop peur si Kémis, c'est Kémis. Kémis, par contre, tu vas le manger. Vas-y. Il va même pas le manger, ce triche. Oh, chien, frère, trop que je suis un. Oh, tu crois que je suis un truc ou quoi? Vas-y. Non, parce que je sais que tu vas être malade après, Camille. Vas-y, maman. T'es très sensible. On te demande une question, maman. Non, mais Camille, mange vraiment, par contre. Maman. Alors. Une question, maman. Maman. Une question sur les capitales? Ouais, vas-y. Une question ou ce que tu veux, maman. Allez. Une question, maman. Non, mais maman. C'est bon, arrête de l'agresser. Quelle est la capitale d'Algérie?
Alger. Non, j'ai avant toi. Non, on a dit en même temps. Ok, on refait une autre question. Camille, elle avait dit avant. Voilà, enfin, mange. Non, non, elle trouve, mais frérot, elle trouve ce qu'elle veut. Elle peut trouver ce qu'elle veut, frérot. Mmh. On l'a dit en même temps. Ok, tata, on va pas lui laisser le bénéfice du doute, vas-y. La capitale de l'Australie. C'est pas Sydney. Les kangourous, tout ça. Non, mais c'est. J'essaie de leur donner une idée sur le pays. Hein. Adzula, tiens, mange. Je le connaissais déjà. Mange! Non, c'est pas Adzula. C'est pas Adzula. Elle joue pas son pain. Et normalement, frérot, tu me bouffes un sang. C'est pas Adzula, c'est un gros tricheur. Vas-y, change. Ok, change, une autre capitale. Ouais. La capitale de la Côte d'Ivoire. Ouais! Ah, je sais c'est quoi, C'est pas des capitales que je connais. Je sais c'est quoi! Je te jure, je sais c'est quoi, attends. Il est capable de t'étouffer. Abidjan! Non, mais pas. Si, c'est Abidjan. Mais c'est le Congo, ça, mon frère. Mais non, c'est Abidjan. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas... Si, c'est Abidjan. Mais pas du tout. Mais vous avez pété les plombs, mon frère. Mais Abidjan, c'est pas le Congo. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Ah. Allez, maman. Moi, c'est moi qui vais le manger, purée. Ouais, attends, non, mais j'ai un gros trou, là, Faisal, alors. Yamoussoukro. Non, non, non. Faisal, Yamoussoukro. Yamoussoukro. Non. Let's go! Mange! Non, mais non, ça a été soufflé par la régie. Ah, vas-y, okay, dernière question. Donne-lui une capitale. Ouais, donne une capitale, pas trop dure. Donne une vraie capitale. Pas trop dure. Voilà. Une capitale d'Europe? Ouais. Ce que tu veux. Allez, la capitale d'Espagne. Mais arrête, wesh. Madrid. Non, là tu triches par contre. Là tu triches. Parce que c'est claqué. Mais on l'a dit en même temps, wesh. Pourquoi tu mens? C'est pas grave, c'est aucun de vous deux, les chéris. Non, si. J'ai trop peur que vous mangez ça. Maman, il faut un perdant. Mais ouais, mais alors pas ça. Mais tu vas jamais manger, toi. Il faut un perdant. Mais t'as perdu des fois. Ouais, Kémy, c'est un tricheur. C'est vas-y. Kémy, je veux vraiment alors. Non, là, moi, j'ai envie de goûter là. Là, j'ai envie de goûter là. Okay, vas-y, tata. Maman, achète une capitale. Tu nous as dit que des capitales qu'on connaît pas, frère. Mais non, ok, la capitale du Maroc. Rabat. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est Camélia. C'est bon, tu lâches ta terre. Allez. Tu croques un attends, tout juste, juste. Il a pas le droit d'avaler. Tu dois mâcher. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai mâché, j'ai souffert. Oh, mais il va pas faire ça. Il va avoir mal à la bouche et tout. Vas-y. Non, Kémy, vraiment, je te regarde. Là, je te Kémy, regarde. Kémy, t'as mâché ça, Camélia? Oui, c'était super piquant. Bismillah. Bon, dépêchez-vous là si je dois goûter parce que moi, vas-y, je dois partir sur ce faire là. Vas-y, mâche. Non, regarde. Voilà, ça fait trop. Non, Kémy. Oh. Mâche. Non, mais non, il peut pas. Non, il a trop pris un trop gros bout il là. Il ne connaissait même pas ma date de naissance, ta part. Arrête, ça va lui brûler ses yeux. Kémy, ça va lui brûler ses yeux, c'est du piment. Ferme tes yeux, Camélia. Ça va la brûler. Mais elle me protège. Ferme tes yeux, Camélia, elle est dangereuse. Crache. Non, ta main. Non, attends, ça va pas. On va voir ta tête. Allez, dis, ferme tes yeux, Camélia. Ah, le micro. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on m'entend pas. D'accord, on m'entend. Oh, elle va gerber. C'est bon, je vomis pas. Je regarde pas, en fait. Regarde. C'est bon. Décale, mon frère, décale. C'est bon. Je fais quoi maintenant? C'est où les tiens? Et par contre, si ça vous dérange pas, je vais les couper un petit peu parce qu'ils sont un peu gros. Mais j'ai jamais vu des gros sushis comme ça. Moi, je propose celui-là, tata. C'est des parpaings. Celui-là, il a l'air bon. Oh, allez, où? Tu peux filmer, s'il te plaît. Franchement, il n'y a pas quelqu'un qui peut me soutenir. Okay, bah, celui-là, alors. Tu le croques juste, tata. Je dois manger ça et ça. C'est pas la taille d'un sushi. Et enlevez le chat en mode sub. Camélia, s'il te plaît, c'est où le tien? Mettez le chat normal, wesh. Je sais pas pourquoi c'est que l'on sait. C'est les miens. Ça fait une heure, c'est que ça. Bah alors, comment je fais? Pourquoi je juge qui alors? Mais tu juges tous les deux en fait, tous les deux, tout ça, c'est à nous. Non, ça, c'est ceux de Kémy, je l'ai vu, il a mis de la, Kémy, de la fromage goûte, et tout. Jamais de ta vie. Je goûte ça. Le mien, il est bon. Je goûte ça. Ok, vas-y, tata. Bah, finis-le. Oh la tête. C'est horrible. Elle dit, c'est horrible. Franchement, c'est dégoûtant. Il n'y a rien ça. C'est toi qui as cuisiné, c'est pas moi. Oh là là, Seigneur, c'est horrible. Mais vous avez mis quoi dans l'alve? Tu sais que là, c'est un flop. Hein. C'est sûr. Non, la vérité, c'est. Et j'arrive. C'est du gâchis. Non, t'as pas goûté le bon. Non. Il n'y a pas le chat? Fallait goûter le pitch, s'il te plaît, fais-moi confiance. Lui, il y a du fromage et tout. Je te jure, fais-moi confiance. Celui-là, c'est les modos, ils avaient mis. Vraiment, lui, je crois qu'il est bon. Bah ouais, c'est ça, je savais. Lui, je crois qu'il est bon. Mais s'il te plaît, tu peux zoomer quand même la gueule du sushi. Attendez, Kémy aussi, il va goûter en fait. Kémy se goûte. C'est incroyable quand même. Non, voilà, tu vas goûter par contre. C'était ton idée. T'as attention. Les sushis. Oh, bah, faudra songer à faire autre chose que des sushis là. Okay, c'est la faute à Kémy. Celui-là, peut-être qu'il est bon. En fait, l'algue, elle est très dure. Mais pourquoi vous avez voulu mettre des algues? Je sais pas, frère. T'aimes pas là?
Bah, c'est un peu moins dégueu que voilà. Ça, mais c'est toujours dégueu. Hein. Je te confirme. Ok, c'est dégueu. Qu'est-ce qui est dégueu par contre? Ce qu'on a fait. Viande, c'est dégoûtant. Ah ouais? Non, c'est dégueu. Je peux boire de l'eau là? C'est comment? Oui, oui, tu peux faire. Non, t'as pas non, non, t'as pas. Mais ça, c'est pas une caméra. Non, mais je crois que j'aurais préféré manger le piment. Attention, on va voir. Ah, pardon. On voit pas. Hein. Ok, maintenant, j'ai envie de faire goûter à Kémis. Ouais. Non, voilà, t'as pas le choix. Vas-y, allez, croque. Bismillah. Goûte ton chef-d'œuvre, mon fils. Goûte. Mais oui, goûte. C'est pas le mien. Celui-là. Si, c'est le tien. Tout ça, c'est à nous deux. Arrête de mettre la faute sur moi, ça se fait pas. Vas-y, Kémis, goûte. Allez. Attends, sors doucement. Ouais, sors. Non, en reculant derrière, de dos. Sors de dos. Ouais, recule de dos. Attends, attends, à gauche. Ouais, à gauche, à gauche, à gauche. Mets-toi à gauche. Aussi, la caméra. Là-bas. Non, à gauche, à gauche. À gauche. C'est ma gauche à moi le sang. C'est bon, là, tu peux sortir. Vous aussi sortez. Non, attends, sors par ici. Ouais, voilà, nickel. C'est beau, nickel. Deuxième carré. Okay, vas-y. Oh, on va goûter la peanut butter. Non, Kémis, il va goûter le sushi d'abord. Ouais. C'est bon, regarde, regarde. Pour que ce soit bon, je te rajoute un peu de fromage. Vraiment, pour que ce soit bon, je te rajoute un peu de fromage. On va goûter tous les deux. Tiens, vas-y. Allez, Kémis. Elle a dit ça a gerbé sa mère. Hein. J'entends derrière. Connecte-toi. 10-07. Oh, je suis belle. T'es pas belle. Non, là, 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 là. Vas-y, vas-y Kémis, goûte. Kémis, il va goûter. J'arrive après, vous pouvez. Vous pouvez, y aller. Ouais, vas-y. Appelez. Vas-y, vous pouvez y aller, on vous appellera. Après, je te ramène après. Les mots de pro, vous mettez le sub-mode. Ah non, c'est bon. Voilà, j'ai dit pro. Ah non, c'est pas bon. Fait... En fait, j'ai un truc dans la dent, mais j'arrive pas à enlever. 45 minutes, il y avait le sub-mode. Ça fait 45 minutes, il y avait le sub-mode. Tu fais quoi? Il fait ici. Non. Ah, c'est bon, là, c'est ce que je fais. Non, si. Oh le. Ah ouais, on te voit. On te voit. En mode, c'est ce plan là-bas, là. Ah, Camille, je vais te faire goûter quelque chose. Attends, je stresse. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je t'aide? Méchant garçon. C'est toi la méchante. On est là, c'est bon. Tu m'aimes? Ça. Mais voilà, t'es méchant. Ouais, je sais. T'as un truc, voilà. Eh les mecs, on va goûter la peanut. Vas-y, c'est bon, vas-y, on se voit, t'enlèves après, mon frère, wesh. T'enlèves après, calme. Ça m'angoisse, en fait, ce que tu dis. C'est pas grave, t'enlèves après. Non, mais parce qu'il faut un truc. Les mecs, on va goûter la peanut butter, les frères, je vais vous montrer. J'ai acheté une autre coco exprès pour la goûter avec Cam, parce qu'on en a jamais goûté. On n'allait pas ici, Cam. J'ai réussi. On n'allait pas ici. Oh, yes. On la coupe? On la coupe. Je te montre comment on coupe une autre coco. Vraiment, vraiment. Je vous montre, les frères, comment on coupe une autre coco dans la, comme dans la jungle. Décale. Pourquoi tu fais ça? Pour nettoyer. Mais. Wesh! Non, en fait, ça me dégoûte. Wesh, mais tu fous plus de bordel qu'autre chose, mais wesh. Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, là, mais au c'est... nettoyage? Qu'est-ce que tu connais? Dis-moi. Mais c'est du riz. Mais oui, mais ça part pas, ça frotte. Tu vas jamais m'apprendre la vie, en fait, je te le dis. Mais pourquoi la vie à chaque fois? Ça n'a rien à voir avec la vie. Parce que ça, c'est la vie, en fait. C'est la scène de ménage partie 1. Frère, ça n'a rien à voir avec la vie, mon frère. Mais c'est ça, avec c'est... la vie. C'est du riz, mais ça part pas, en fait, ça se frotte. Tu crois que tu vas m'apprendre? Mais pourquoi tu cries? Mêle-toi de tes fesses. Ah ouais? C'est ça que tu veux? Regarde, nettoie. Bah non, nettoie. Bah non, nettoie le couteau, tu vois pas qu'il est dégueulasse. C'est qui a jeté ça? C'est qui a jeté ça à la poubelle? C'est moi. 10-07-76. Ah, t'as changé de code, je me demande pourquoi. Non, j'ai jamais changé de code. Si. Je sais plus. Si. Ok, c'est bon. On a nettoyé le couteau, c'est bon. Vas-y. C'est bon, nickel. Allez, vas-y. Ciao. C'est bon? Oui. Beaucoup confiance. Non, là, t'es en train de faire le connaisseur. Viens, on change de okay. technique. Non, c'est une coco blanche. C'est les coco blanches, c'est pour que je sache. Ok, mais là, ça va tomber, ça va j'ai coller. De ta vie. C'est attends, vas-y, moi, je tiens. T'as déjà été dans la jungle? Faites gaffe avec les couteaux, il a raison. T'as déjà été dans la jungle? Bah, attends, t'as déjà été dans la jungle vu que t'es un chien. les chats, c'est pas dans la jungle. Réponds à ma question, t'as déjà été dans la jungle? Oui. Dis wallah. Mais j'ai pas besoin de jurer, c'est haram. T'as déjà été dans la jungle? Ouais. Regarde-moi dans les yeux. Camille, t'as déjà été dans la jungle? Hein? Et non. Pourquoi? Parce que les vaches, c'est dans une ferme. Excuse. Bon, les mecs, la coco, les frères, c'est comme ça, regardez. On va la couper, c'est des cocos amobiles. Attends. On n'a même pas de force.
Mais dis pas ça. On va goûter de la coco? Bien sûr, on va goûter c'est de la mon coco. Rêve. Oh, je peux essayer, je peux essayer. Vas-y, attends, décale. Non, non, pas comme ça, regarde comme ça. Ouais. Comme ça, tu fais un trou et après tu rentres la paille. T'inquiète, 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 t'inquiète. T'as parlé de ma mère, toi? Tiens, ma mère, c'est ma mère. Hein? C'est dur. T'inquiète, je gère. Je gère. Arrgh. Mais attends, non. Attention. Mais non, y'a rien. Wallah, notre coco, ça se casse. Non. Attends, eh, en vrai, avec une patate, tu peux la casser ou pas? Mais pas du tout. Non, tu vas, non, voilà, tu vas te casser les phalanges. Tu vas te casser les phalanges. C'est tout ce que tu vas faire. Et un coup de coude, un coup de coude. Non, Wallah, ça peut s'ouvrir, mon frère. Non, Kémis, on fait un petit trou. Je te dis, j'ai envie d'essayer. Regarde, c'est bon, le trou, il est fait. Non, mais ça se mange à l'intérieur, la coco, wesh. On boit, mais ça se mange aussi. C'est pour ça que je te dis ça, wesh. Tu pourras jamais la casser. Tu crois t'es unique ou quoi? Imagine, je me déboîte l'épaule. Non, mais fais pas ça. Ok, tiens là comme ça. Vas-y, tiens bien. Jamais, mais alors là, jamais de la vie. Tu vas te casser les phalanges, mon pote. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? C'est bon, c'est bon. Mais pas du tout. Le jus, mon frère, il va tomber, wesh. Mais non. T'inquiète, je prends le relais. C'est tellement impossible. Oula, tu me fais tellement peur. Physiquement? Hein? Non, pas du tout. Gestuellement. Ah. C'est pour toi, Camille, que je fais ça. Oh! Camille! Fais comme ça, fais comme ça. T'inquiète. Non, fais ça. Ça, et tu fais comme ça va être plus facile. Attends, stop, ça va couler. Vas-y, tiens. Mets tes mains fort dessus, ok? Vas-y, mets tes mains. T'es prête? Ouais. On va le faire. Vas-y, colle ton front à mon front. Vas-y, ensemble, go. Dis ensemble. Ensemble. Voilà. Camé, vas-y. Allez, Camis. Vas-y, Camé. Vas-y, dis mon prénom. Allez, Camis. Oh, il y a Cyriano. Et Davy. Arrêtez. Oh, je vous ai même pas vu, oui. Voilà. Allez. Oh, voilà, c'est quoi cet homme? Ça fait 15 minutes en train de... Wesh, comment c'est quoi cet homme? Mais par Allah, mon frère. Regarde, ça. Arrête! Wallah, regarde! Je me suis déchiré la main. Non, Kémis, arrête! Wallah, je me suis déchiré la main. Bah ouais, bah chèh! Non, c'est mort! Moi, Wallah, je l'ai cassé, on fait appel à Brutus! Attends, non, mais. Moi, je dis, on fait appel à Brutus pour qu'il casse le truc là! Parce que toi, franchement, t'es bien nul, mon pote! Hein. Vous tenez à la table? Ouais! Okay. Je le sais! Viens, on lui met des gros coups de chassé dans sa gueule! Non, ah bah non, on va la manger! Vas-y. Voilà. Oh vas-y. Voilà, ça marche. Vas-y. Attends, vas-y. Mais tu connais, c'est mieux ou pas? Non. Oui. Ah non, ouais? Non, sur les. Vas-y, ouais, droit, c'est mieux. Droit comme ça? Ouais. Eh non mais, je suis désolée, mais Faisal, tu devrais pas accepter ça. Vas-y, okay. Camille. Ah non, tu me dégoûtes. Tu plantes? Non, comme ça. D'autre côté, genre comme ça. Non. T'inquiète. Oh, on va t'avoir. Ça, dis-lui. On va t'avoir. Sache-le, on t'aura. Vas-y, on s'en fout, vas-y. Et c'est nous-mêmes, on l'aura. Vas-y. Non, mais hey, les gars, ça fait 15 minutes, on est en train de couper une. Ouais, t'inquiète, je remue la plaie. Doucement. Tu vas te couper. Doucement. Non, de l'autre côté. Voilà, c'est mieux de l'autre côté. T'inquiète, frère, petit à petit, on y arrive. Enfin, en fait, c'est ça le plus dur de toute la vidéo. Fais ça, s'il te plaît, Kémis. Fais ça, regarde. Recule. Et normalement. Voilà. Voilà, là, ça fait des trous. Regarde. Voilà, Mighty. À ne pas reproduire chez vous. Non, là, je suis à sa boîte, c'est bon. Je m'occupe du reste, poupée. Tourne-toi et quand tu te retourneras, ça sera fait. Eh, retourne-toi, ma chérie. Je suis un homme ou pas? Vas-y, tourne-toi. Vas-y, t'es un bon homme. Quand tu te... Je te fais un massage. Vas-y. Je regarde pas. Vas-y. Oh, comment t'es beau de dos, la vie de ma mère. Arrête. Wallah, t'es beau de dos. Mais t'es loin d'être beau. Allez. Ouais, non, mais t'es un homme. C'est pour te. Vas-y. Pour te chauffer, vas-y, Kémis. Allez, Kémis. Allez, t'es un bonhomme. Ah, je sais que je suis en live, me parlez pas, mon frère. T'es un homme. Allez, Kémis. Allez. Eh, ça fait mal. T'es pas un homme, alors. J'ai vu quoi? Sa gueule sur Insta.
Ah. Oui, oui, mais j'ai enlevé. Eh, les frères, wesh, on peut en parler après, mon frère, ça. Voilà, wesh, vous êtes là, vous me parlez de choses. Ça fait un an, on me le dit, wesh. Voilà, t'inquiète c'est pas, c'est bon, j'ai enlevé déjà. J'ai enlevé, ça fait un mine, mon frère. Ah, c'est pour ça que t'as fait ça. Merci, ma chérie. En fait, c'était de ce côté, je crois. C'est bon, c'est bon. Non, voilà, j'ai jamais vu ça, c'est archi dur, là. C'est archi dur, pour ceux qui connaissent pas. Bah, tu connais pas, hein. Ça fait 15 minutes, t'es dessus. Hein. Ouais. Non, j'ai enlevé, dis-lui, j'ai enlevé. Eh, les frères, on peut parler de ça après, au pire. Voilà, là, on finit le live tranquille et on peut parler de ça après. On mélange pas tous les mecs, hein. Non, je suis désolé, frères. Moi, j'aime bien quand je suis dans le live, on est concentré dans le travail, les frères. Et après, on parle de tout ce qui est à côté. Mais je comprends pas, là. Il y a de la coco, il y a pas de coco. Il y a de la coco, toi. Mais ça, c'est de la coco. Hein. Ah. Voilà, regarde, non, mais c'est bon, on a réussi. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Là, ça arrive, là. Ouais, ça, c'est arrive. De la coco, ça. Ouais, c'est de la coco. Je suis désolée, on va nettoyer tout, t'inquiète. Hein, avec... Non, regarde là, là, il y a de la coco là, il y a, ouais, du, y a du blanc. C'est de la poterie. Ça se trouve, c'est pas une noix de coco. Si, c'est une coco, regardez. Là, a, là, on peut observer un peu de blanc, les gars. Là, là on peut observer un peu de blanc. Mais là, on cherche le liquide. Non, d'abord, on veut manger. Donne, je prends le relais. Attends, je finis ce bout. Mais voilà, c'est horrible. Bon, c'est bon, je vais regarder sur internet comment couper une coco. Ah ouais? C'est dangereux pour qui? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais? Bon bah, on met des coups alors. Comment couper une coco? En fait, moi je voulais avoir les gars, comment on fait? Dites-nous s'il vous plaît. En fait, hey, il faut, en fait, il aurait fallu un couteau beaucoup plus gros. Ah, excuse. En fait, vous avez pas un truc en bois, il sort qu'on tape. Voilà, non, mais la coco, normalement, c'est, une autre, c'est un autre... Non, non, parce que ça, c'est de la coco avec bien... En fait, moi, les mecs, à la base, dans la jungle, quand on éclate les coco, c'est sur arrête les rochers. De faire genre dans la jungle, t'as jamais allé dans la jungle. Mais là, c'est un peu mouillé. Ah, hé, Camé, wesh. Il y a Camille. Pas des singes qui mangent des bananes. Mais je t'arrive quoi, mon frère? C'est une musique. S2M. Vas-y, mange ça. Ouais. Toi, t'es même pas gentleman, frère. Camé, est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. Je sens l'eau. Allez. Elle est là, Camé. Tu vas goûter en première. Okay. Hé, hey, nos réactions. C'est moi qui t'ai goûté, ok? Vas-y. Moi et Camé, goûtons une noix de coco. Mouah, vas-y. Oh, attends, écoute, je te fais la promesse que la prochaine noix... Écoute-moi, écoutez bien. Je vous fais la promesse. La prochaine noix de coco qu'on goûte, ma chérie, ce sera sur une île, Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah. Quand? Arrête de casser les couilles. C'est incroyable. Oh non, dans ton hypocrite! Eh, hey, ça se boit? Mais voilà, c'est des... Ça se boit? Ça revient là. Non, Kémis. Ah non, l'arrière-goût. Ah non, je peux pas. Ah non, ah non. C'est incroyable, frère. Goûte. Goûte. Ramène-moi un sopalin. Dépêche-toi. Ramène-moi un sopalin. Dépêche-toi. Ramène-moi un sopalin. Dépêche-toi. Ramène-moi du sopalin. Dépêche-toi. Sopalin. Vite, viens. Ramène-moi du sopalin, là. Ramène-moi du sopalin. Mais prends-moi du sopalin. Dépêche-toi. Prends-moi du sopalin. Prends-moi du sopalin. Voilà, déjà, c'est dégueulasse. En plus, c'est dans mon visage. Ça va puer. Je vais puer la coco. Passe-moi du sopalin. On dirait du pipi. Passe-moi du sopalin. Lâche-moi son. Toi, tu manges du pipi. Je vais pas le chercher. Camille, ça me pique. Ça me dégoûte. Voilà, ça me pique. J'ai rien dit. Oh, ne bouge pas. Bisous. Ah, ça me dégoûte. Ça pue. Non, voilà, ça pue. Oh, ramène-moi du sopalin. Ramène ce sopalin, s'il te plaît, c'est dégueulasse. Mais frérot, je le chie le sopalin, il est où? Kémis, moi ça pue. Il est où le sopalin? Il est où le sopalin? Il est où le sopalin? Je suis maquillée. Il y en a plus, c'est pas grave. Il y a plus de sopalin. Non, Kémis, il me faut... Non, je peux pas, je peux pas. Attends, il était là. Mais regarde, t'arrêtes pas de le jeter dans la poubelle, là. C'est pas moi, oui. Tu veux que je t'essaie? Non, nénette. Elle vient comme ça. Mais bon. Arrête.
tout, wesh, calme. Je peux pas avaler, c'est tellement assez. Ah, ah mais dis-moi. Mais wesh, oh, elle veut pas. Regardez, viens, viens, viens. Oh, elle ne veut pas attends, enlever son dos. Même pas que ce que j'ai au milieu du front, c'est que tu m'as craché dessus. Non, voilà, je rigole pas avec toi. Ah, mais t'es même comme ça, je me colle à toi. Non, mais regarde, même comme ça, frère, regardez, je me non, colle. Non, y'a pas de même comme ça. Mais hé, hey, là tu sens la coco. Je te rappelle la dernière fois quand tu t'étais pas brossé les dents le matin et même tu m'avais parlé, frère. Oh là là, les mecs, la laine, frère. J'ai cru que c'était un futon. Non, non, voilà, c'est pas bien ce que tu fais par elle contre. Non, mais tu sais, c'est dégueulasse, ça. J'ai envie de manger un chewing-gum là. T'es gentil, hein. Faut pas en prendre un. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bois. Mais j'ai avalé. Bois, avale, avale. J'ai avalé, comment je parle alors? Fais... Ah. Ah. C'est bon. Hé, 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 vas-y. Je vais pas me manger. Ah! Mais vrai, attends, hey, fais ton live, j'arrête de boire en fait! Ah, je te fais confiance, voilà, si tu veux qu'on se marie, si tu veux qu'on se marie, viens, viens. Tu m'écoutes ma chérie? Mm-hmm. Si tu veux qu'on se marie, mm-hmm. ne le fais pas. Si tu... Voilà. Alors, pour toutes les fois où tu m'as craché tout, pour toutes les fois où tu m'as tout craché dans la gueule, ben maintenant voilà. Désolée, mais j'étais obligée. Oh, j'ai pris l'équateur dans la tête, là. Voilà, chèche. T'as vu tout le manque de respect à chaque fois que tu me craches dessus et tout? C'est la première fois de ma vie que je me venge. Voilà. Tataram, tam, tam. Ah. Je me sens très bien, perso. Je suis en train de bien faire le ménage. Tranquille. J'ai pas d'eau sur mon visage. Il est trop bien mon visage. Voilà. Je suis bien en train de nettoyer. J'ai pas d'eau. Ah, je mets de l'eau sur la table, un tout petit peu. Hop. Un peu d'eau sur la table. Et je nettoie. Tranquillou la table. Et j'ai pas d'eau sur mon visage, perso. Tac, on nettoie bien, parce qu'il y en a ici qui ne sont pas capables de nettoyer, ils sont juste capables de se noyer. Oh, tu sais que j'étais loin là, voilà. Tu sais que là, j'ai fait un rêve là. Wallah, je viens de faire un rêve. Mais t'es un psychopathe, toi, là. Je suis bien. On se marie, toi et moi? Je sais pas. Inch'Allah. On va voir comment on se comporte. Déjà, après le live, on va discuter, t'es au courant? Ouais. Non, vraiment, je suis pas sérieux. Ferme les yeux. Tu sais que de base, j'allais même pas le faire, mais en fait, comme tu m'as dit, ouais, tu m'as trop saucé à le faire. Voilà! Ah, mais quand même, regarde, on est fort, wesh, la table, elle est toute propre. Voilà, on a bien réussi. Tiens, c'est quoi ton code? Le live, il est fini? Oh, j'ai peur! C'est sûr qu'on n'a même pas dû en voir? 10 07 76. Non, ça y est, en vrai de vrai. Ça y est, ça ira. Ça ira énormément même. Voilà. Oh. On fait quoi des sushis? Non, la famille, wallah que c'est. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nos sushis, elles sont empoisonnées, mais c'est pas grave. Tu veux goûter, Ahmed? Tu veux goûter mon frère? Sur Wallah? Viens. Vas-y, viens goûter. Viens goûter, s'il te plaît. Viens. Vas-y, les gars, il y a Cyriano, il y a la grosse matricée, il y a Masta. Il y a Masta, la femme. Max! Cyriano! Il va goûter notre sushi! Ah, mais frérot, viens! Déjà, dis bonjour, fais-moi un câlin, mon frère. Mais oui, dis bonjour, en fait. Je suis tout sale. Ah, me touche pas, frérot. Oh, les mecs, Cyriano, il vient manger à la maison après, les mecs. C'est pour ça qu'il arrive pas aujourd'hui, les frères. Tiens. Il est venu. Oula! Il est venu exprès pour ça, les gars. Bon, on va pouvoir tenter. Écoutez, le chef-d'œuvre qu'on fait, ces deux-là. Ouais. Moi, attends, je vais t'en conseiller une. Tiens, ça, c'est les poivrons avec. Faut que tu prennes un coup dans le poivron à chaque fois. Si vous ne me voyez plus les prochains jours, vous savez d'où ça vient. Voilà, je te conseille celui-là, vraiment. Ah ouais? Ouais. Et les mecs, dites-moi si vous êtes chauds pour demain faire un live, les mecs, jeu de société, entre nous, les frères. On fait une petite équipe de 6. Ok, 7. Oh, il a tout mis dans ma bouche. Attends, on te prend de l'eau au cas où par précaution? Non, c'est bon. blague à part. Ça cale. Tu veux goûter, Xy? Tu peux dire la vérité, hein.
Vas-y. Non, ça se voit, c'est pas dégueulasse. Tu sens pas le petit... En vrai. Alors, t'en penses quoi? Honnêtement. Honnêtement, frérot. Franchement, avec une petite sauce, ce serait bien passé. Okay. Voilà, imagine les garçons secrets. Hey. Mais par contre, ta mère, elle a dit c'est dégueulasse, donc c'est un peu... Arrête de parler de ma mère, c'est la languette, je crois. Mais ça va, c'était bon. La languette. Vous pouvez, je sais pas. L'algue. Est-ce que là, c'est la question fatidique, voir s'il a vraiment aimé. Est-ce que tu veux de l'eau? Ouais. Donc t'as pas aimé. En tout cas, c'est bon. Avec une sauce sucrée. Merci, mon frère. Avec une sauce sucrée, je pense que ça aurait été bon. Moi, je pense qu'en vrai, par rapport à la présentation, on s'est pas du tout débrouillé. Mais qu'on aurait pu faire mieux, mais on aurait pu faire pire. On va faire goûter Xy. Viens là. Il n'y a pas d'eau, hein, par contre. Pas d'eau. Il n'y a pas d'... Ah, il est... C'est qui, t'as le micro, Masta? Salut. T'as le micro, Masta? Mais ça s'appelle pas Masta. Bon, Cyrano, désolé, putain. Maintenant, il y a Xy là qui va goûter au maquis. Xy, elle goûte, par contre... Sachant qu'elle en a déjà fait, donc par contre, quand tu goûtes, gros, il faut un croc dans le poivron. Hein. Ah, j'ai pas essayé pour savoir. Ah bah, frérot, je t'explique. Non, je goûte ça. Je te repose celui-là, moi, la vérité. Après, non, parle-lui. Ça? Attends, je choisis. Je repose avec les fromages, genre. Non, c'est des dégâts. Non, oui, mais il est moche, mais il est bon, je te jure. Ça? Il y a du fromage et tout, lui, il n'y a rien. Bon, vas-y, goûte quand même. Celui-là, il s'appelle. Lui, il est grave joli. Ouais, lui. Oh, regarde le dos. Ouais, attends. Le dos? Ouais, le dos, il est encore plus beau. Ah, ouais, j'avoue. Regarde, Kémis. C'est toi qui l'avais? Oui. Non, c'est moi celui-là. Non, bah, t'as rien fait, mon pote. Hein. Bon, vas-y, tu vas nous dire la vérité, vu que tu connais. Vraiment, je vais dire la vraie vérité de. La verdade, c'est. Elle a rien bouffé, mon frère. Elle a bouffé tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas d'eau, hein. Donc demande pas de l'eau. Si Ah non, elle aime pas. Ah bon. C'est ça que sa mère. Ouais. C'est ça que sa mère. Venez la prendre, s'il vous plaît. Récupérez-la. Est-ce que tu veux de l'eau? Mais elle aime pas avaler. Elle veut dire qu'elle veut avaler avec l'eau tellement elle aime pas. T'as vu? À cause de toi. Moi, j'aime bien l'avocat parce que sinon... Là tu donnes une note de combien? Vas-y, ramène-lui un avocat. Hein. Tu donnes une note de combien? Ouais, la vérité. Voilà. Alors, j'en ai bouffé des sushis. Ouais. Tout le temps, ok? Ah, moi aussi j'en ai bouffé, hein. Je donne une note de 1. Vu que c'est pas du riz de sushi, je vais pas être indulgente, ok? En vrai, je dirais... je vais pas... Non, c'est l'inverse. Ouais, je vais être indulgente. En vrai, je dirais 5. 5? Ouais, vraiment. L'avocat, c'est bon, par contre, il n'y a pas de goût, vraiment. Sortez-la avant que je... Je suis pas contente, moi. En fait, elle a dit ça en mode... Elle va être gentille. Alors, Emily, elle aurait été méchante. Je suis indulgente, elle a dit. Je suis honnête. J'ai indulgente 5. Les préparé. Ouais. Alors, frère, t'as vu, on s'est cassé la tête. Est-ce que tu penses que ça mérite un plus que 5? Non, ça mérite pas. Là, si ça tient qu'à moi, c'est juste parce qu'on doit faire goûter à toute la régie, si ça tient qu'à moi, je mange tout là. Tellement c'est trop bon, tu vois. Vas-y, mais juste que comme tout le monde veut goûter. Mais tiens, franchement, personne n'en veut. Vas-y, mange. Fais plaisir. Regarde, il en a marre, vas-y, casse-le avec vos caméras. Imagine sa vie comme ça ici. Là. Mais voilà que c'est comme ça, je crois. Non. Si. Non, mais attends, je vais la poser. C'est. Il y a Khalid. Oh, on fait goûter Khalid. Oh, on fait goûter Khalid. Oh, on fait goûter Khalid. Viens goûter. Viens goûter. Voilà, viens goûter. La famille, on va faire goûter Khalid. On va le premier. Merci Xia. Vas-y, Khalid, on accueille Khalid. Viens là, fais le tour. On accueille Khalid, Tarek, Big Chi. La mec, je fais le problème. Tarek qui est mort RP. C'est quoi la famille? Mon frérot. Oh là, ça ressemble à rien. Arrête, ouais. Tiens, c'est celui-là. T'as bronzé, t'as fait les UV. Non, j'ai de la crème. Ah non, les UV, c'était l'année dernière que tu les avais fait. Jamais fait. Arrête. On est en train, frérot. Oh, les mecs. Aquaman, je suis là. T'as mis quoi dans tes lèvres, là? J'ai mis du jusqu'à lèvres. Les frères. Je prends soin de moi. Les frères, aujourd'hui, on va faire goûter Khalid. On a fait goûter. Tu sais qui on a fait goûter, mon frère? On a fait goûter Xy. On a fait goûter Cyrano. Là, on va te faire goûter toi. Et ils ont mis une note. On ne dit pas la note pour pas que ça t'indulgente. Tu vois ce que je dis ou pas? Moi, je mange lui. Oui, c'est celui-là qu'on a été proposé. Lui, il a l'air d'être bien bon. C'est gros, qu'il a t'as pas compris. Il y a écrit quoi ici? Khalid. Okay. Attends, mais c'est. Y a pas de sauce sucrée? Allez, bouffe, frérot. Tu peux monter pas la charger, c'était pas il est temps. Wallah, tu as kiffé, mon frère. Merci, ma pioule. Je suis à jeun. Oh putain, le con. Il est à jeun, il a dit. En fait, y a pas de sauce sucrée, ça qui est dommage. Et ça pousse, toi aussi, la buvard. Machallah. Attends, il gonfle les narines, là. Il gonfle les narines, c'est pas bon signe. Hein. De l'eau? La question fatidique? De l'eau, frérot? Mais c'est pas bon saumon. Ouais. Non, c'est pas ouais, bon c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Ma mère aussi, tout le monde a dit ça trop. C'est pas bon saumon. Ouais, c'est bon. Arrête. C'est bon. Arrête. Hé. Hé. Pour fêter ça. C'était la fête.
Ah oui, c'est rigolo. Walid, viens. On va faire goûter Walid. Walid, oh, on va faire goûter Walid. Oh, frérot. C'est le truc quand il a un sourire comme ça, on dirait l'innocent. Ouais, il, c'est un bébé, c'est un bébé. Ça ah, va, Walid? Non, non, Khalid. Hey. Non, non, non. Oh, le manque. Walid, frérot. Tu apprends le micro. Oh, Madame Pavoshko. Oh, Madame Pavoshko. Ta-da, allosto, mais ta tété, Madame Pavoshko. Tété, Madame Pavoshko. Ok, à ton tour. Deux, trois. Eh, Madame Pavoshko. À ton tour. Mais nique le dos, frérot. Des micros. Oh, Haji, ben merci d'ailleurs, goûtez Walid. Allez, tu peux y aller. Oh, Walid, brut, tu sais pas le cadre. Vas-y, Walid. Moi, j'avais déjà là, j'avais pas les soucis. Allez, Walid. Allez, Walid. Allez, Walid. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, nénette. Walid, c'est moi. Walid, 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 Walid. C'est elle qui a tout fait. Walid. Ouais, ça bouffe ça comme si c'était des insectes, frère. Regarde. Qu'est-ce que j'ai fait, Gigi? De l'eau? Arrête, non, hé, hey, hé. Ah non, il voilà, a pas eu le bon, il a eu le chien avec le vinaigre, voilà. Non, oh non. La vie de mer. Ah, ça sent chez toi, voilà. Ah, ça pue le vinaigre chez toi? Oh, le contre son camp de... Non, voilà, il a goûté le chien avec le vinaigre. Et boum, et tout de suite, sur Twitter, je veux des édits de la tête de Walid. Attends, pourquoi j'ai goûté ça, voilà. Oh, vas-y, vas-y. Arrête. Ok, là tu vas souffrir maintenant. Non, non, regarde, les mecs, les gens qui veulent jouer les grosses couilles, tiens. Ils souffrent. Bon, non, ils souffrent. Regarde ça. Regarde comment j'aime bien, Roland. Oui, mais ça pique. Ça pique, mais voilà que c'est bon. Mais vas-y. Les mecs, attends, tiens. Oh, oh, voilà, c'est bon. Il peut bouger. Il peut bouger. Voilà, c'est bon, frère. Vas-y, mon frère. Oh, pose le micro. Pose le micro là-bas, mon frère. Pose le micro là-bas. La grosse française. Oh, Madame Pavoshko. Oui, frère. Bon, les frères. Les frères, pour terminer, on fait un bras de fer avec Kémis. Boum, faites une édite, s'il vous plaît, faites une édite. Voilà, je voulais juste faire ça, voilà. Non, mais t'as ralenti alors, au moins, alors, frère. Ah, si le mec a rien compris. Ah, c'est le truc pour la casserole. Non, non, je vais te défoncer par contre, là. Arrête, là. Non, sérieux, sérieux. Arrête sur le gros front syrien. Tu sais comment ça va loin? En tout cas, les nénettes, j'espère que vous allez bien, mais vite, désolé, je suis pas dans ma petite chambre. On n'est pas en soirée pyjama entre nous, malheureusement. On est entourés. On n'est pas en soirée pyjama entre nous en train de parler de Kémis. Les frères, j'espère que vous avez kiffé ce live. Moi aussi. En compagnie de Camélia et les mecs, on va vous proposer une chose. Regardez. Bon, voilà, j'ai kiffé par contre. C'est tout maintenant. Si vous avez kiffé, montrez-le nous, les frères. Le mec, il a rien compris. Mettez un maximum de pouces bleus. Non, il n'y a pas de pouce bleu. Non, sérieux, faites des edits, moi non, j'aime trop. Non, si vous avez kiffé, c'est ce que je propose pour le prochain Camilla, qu'on ait une recette et qu'on ait une équipe adverse à combattre. Et, c'est et qu'on doit être allié. Vas-y, ok. Moi, je suis chaud. T'es chaude? Ouais, je suis chaud. Carré. Demain, les mecs, on fait ça. Mais attends, juste, tu seras dans l'équipe de qui? Non, hein? Tu seras dans l'équipe de qui? Bah, je sais pas, on prend une fille au hasard. Moi, j'ai avec la fille et toi, on prend une fille. Moi, je vais être avec Camé. Moi, je suis avec toi, ma chérie. Moi, je serai avec Camille, les frères, et on sera dans une équipe, on combattra l'équipe en face, c'est ça, c'est bon? Oui, voilà. T'as un truc à leur dire? Moi, je vous fais des gros bisous. Les nettes, merci pour la force, les kangous, merci pour tout. On se sent trop bien. Moi, je me sens trop bien avec vous, parce que quand je live, j'ai pas besoin de regarder tout le temps le chat, parce que je sais que c'est pas malsain dans le chat. Donc ça, c'est très important. Mon Camille, sans vous, parce que c'est pas un fragile, mais moi, je vous le dis. Moi, j'ai passé un trop beau moment, voilà. Plein de fois, j'ai oublié qu'on était en live. Du coup, j'ai passé un bon moment et merci au live qui a permis de réunir moi et Camille, parce que wallah, sans le live, j'aurais pu parler. Et moi je dis la vérité, mec, moi non plus. En ce moment, il y a plein de choses qui m'ont énervé. Non, non, pas en ce moment, hier en fait. Il y a plein de choses qui m'ont énervé et même les frères, le fait d'avoir perdu ma chaîne YouTube, etc. Bref. Ouais, mais en fait, ça me regarde. Enfin, ça me regarde. Moi, je suis avec toi. Il y a énormément mais de choses. Ne mets pas ta haine sur moi. Ouais, c'est vrai. Et voilà, les mecs. Et en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Nous, vous organisez des choses comme ça, tu vois, comme un live cuisine, etc. C'est un pur plaisir, les mecs, sachez-le. Ouais. Les Matrix et GTA, tranquillou, on se retrouve. Ne vous inquiétez pas, les frères. Dimanche, là, parce que les mecs, je pense que demain, comme Cyrano est descendu, etc., les frères, je pense demain à faire un petit live juste au CT, entre nous. Ça va être pas mal, etc. Et comme ça, vous allez kiffer.
Et un grand merci à Red Shadow Legend d'avoir... Non, là par contre, tu dis n'importe quoi. Pourquoi tout le monde fait ça? Non, mais c'est totalement faux, les gars. Un grand merci à... On a le droit de dire son prénom? Un grand merci à Red Bull pour la sponsor de ce live. Vraiment, merci. Non, je regarde. Un grand merci à Faisal. Exilia. Non, si c'est quelqu'un d'autre, c'est de la dinguerie ce que j'ai dit. Bien sûr, c'est de la dinguerie. Arrête, faut pas dire des trucs non, comme non, ça. Non, tu te rends pas compte. Vas-y, ferme ta bouche, là. Bon, voilà, vas-y. Bon, un grand merci à tout le monde. On vous fait des gros bisous. Non. PlayStation. Arrête. Ah, PlayStation, merci beaucoup la famille. Arrête. Pour votre invitation, les mecs. Arrête, Kémy. Bang Bros. Non, par contre, c'est grave. Non, voilà, c'est grave. Non, là, c'est grave. Non, ça a pas quête. Là, c'est grave. Non, il n'y a pas de canon. Arrête de faire le truc. Allez, mec, je jure. Oh, voilà, voir des amis à moi rigoler, ça me fait trop. Bah, non, mais arrête. Tu veux faire le mec qui fait. Voilà. Non, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien quoi. C'est même pas bien pour le cœur, wesh. Hein? C'est pas bien pour le cœur. Arrête de dire ça, par contre. Ça, faut vraiment pas dire. Mais voilà, c'est vrai, ça. C'est pas bien pour le cœur. Genre, en fait, comme c'est. Voilà, la fin de live, on est éteint. Ah! Oh, demain, on s'est éteint. Non, mais c'est pas bien pour le cœur. Merci non, à Cristaline aussi, c'était la du famille. Faux. Cristaline, c'était du faux Red Bull, du coup, c'est pas même pour le cœur. Le vrai Red Bull, par contre, c'est pas grave. Oh, les frères, merci à Canon aussi. Merci à Canon pour l'image. Vraiment, un grand merci à la famille. Ça nous fait plaisir énormément, vraiment. Non, arrête, on a kiffé. Attends, c'est quoi la plaque que je vous fente? Valberg, Valberg, la frère. Votre plaque, elle marche pas, les frères. Elle est HS, les mecs. Vous avez non, tu vois, là, c'est pas bien. C'est bon, on m'a menacé avec un couteau, les frères. Merci à tout le monde d'avoir regardé le live. Merci à la famille, vraiment. On vous fait des gros bisous. Armani, merci, sans vous, j'aurais pas pu regarder l'heure, les frères. Non, vraiment, un grand merci à tout le monde, les frères. Et on a kiffé faire ça avec Camélia, vraiment, ça nous a touché de fou malade. Et bref, voilà, les frères, attention, vous connaissez votre gars, les mecs. On se retrouve demain directement, les frères. Il n'y a pas de day off. Dites-vous, les frères, pour moi, mon day off, c'était aujourd'hui. On a fait un petit live d'une heure, 32h, les mecs. Ça, c'est mon day off, là, après 30. Et là, on va toucher Kémy pour faire une raclette. Amis, voilà, j'ai invité mes amis à manger chez moi. Cyrano, il vient manger chez moi ce soir, Inch'Allah, avec tout le monde. Et donc, comme ça, on va bien manger, on va bien s'amuser. C'est pour ça que tout le monde est en repos un petit peu ce soir. Donc voilà, famille. Camélia, on leur dit au revoir. Oui, on fait plein de bisous et on vous dit au revoir. On se fait plein de bisous. Non, pas du tout. Ok. Voilà. On fait plein de bisous, la famille. Faites attention à vous. On vous aime. Hey, attends, tu peux mettre les trains de femmes à fond. Tu veux mettre les trains de femmes à fond pour clôturer. Voilà, ah ouais. Allez hop. Allez, allez, hop, bisous. Non, parce que je vais chanter un petit peu les trains de femmes. Bisous, tout le monde. Bisous, la famille, je vous aime. Attends, fais un cœur, vas-y.